Ma Mission TV, le miroir du monde. Qu'est-ce que l'argent que le général a aussi? Qu'est-ce que Christian m'a dit qu'il a reçu mission du général John Numbi de tuer Tchebeya. Mais nous sommes les deux. À l'opération Tolérance Zéro, on n'a jamais participé dans cette opération. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo. Oui. Ils lui sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi qui leur a confié une mission de tuer Tchebeya et que précédemment il y a eu $40,000 qui a été disponibilisé pour tuer Tchebeya. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui, Christian Goïkenga-Kenga, et à lui qui est, en fait c'est à l'occasion, où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé, on lui faisait des promesses, mais il n'a jamais été récompensé. Filature pour que Tchebeya puisse être tué à Lubumbashi a été effectuée. C'est dans ce cadre-là qu'il va me parler de ce montant de $40,000 et que lui tergiversait parce qu'il a eu précédemment exécuté d'autres missions de tuer, de confier par John Numbi qui faisait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit, vous voulez tuer Tchebeya? Il me dit, oui. Moi je lui dis, ne le faites pas. Il me dit, appelle le général. Et pendant qu'il me disait, appelle le général, son téléphone sonne. Il me montre, il me dit, regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. C'est lui qui est en train de m'appeler. Il a pris Jacques Mugabo. Ils sont sortis en trombe de mon bureau. Voilà ce que moi je connais de cette affaire par rapport à cet endroit-là spécifique. Arrivé chez lui, il nous a donné l'argent. L'argent comme 50 dollars. $50 par le parc de Guinée. Chez lui, à Guinée, on a donné à chacun $50. Quand chacun ça, comme papa, comme mandat, comme maître, comme maître, il a donné l'enveloppe au major Christian Kengakeng à notre présence, dans laquelle il y avait l'argent. Notre mission, c'est faux. Dans le cadre de la stratégie du général John Numbi, c'était de me faire porter le chapeau comme fusible pour que tout ce qu'il a eu à manigancer ne puisse pas l'atteindre. Et ce qu'il est en train de jouer ici, il est en train de jouer la même stratégie qui a été mise en place. Moi, je suis quelqu'un qui a été pris en otage par John Numbi. Non, répondez aux questions qu'on vous pose là. Hein? Ne sortez pas de... Mais c'est parfait. Le lieu où il devrait les tuer, ça, je ne savais pas. Mais moi, je sais que j'avais dit non, ne faites pas ça. Mais quant à savoir les lieux ou comment ils vont les tuer, il n'y a qu'un seul qui savait comment le faire, comment procéder. Mon colonel, je répète, il est en train de mentir. C'est faux. En aucun moment, on a été à trois avec. En aucun moment. C'est faux. Comment on a craqué? L'année la mima kaya la tika la moto. Tant que vous me mettez au tien na craqué, au tien na mutuka, au wapi, mutuka au ya yo, ou bien au moto, au mutuka au ya ya kinango. Eh, mutuka au ya bise la police, ils ont la défendre mi balé. Ah bon, à tout bout. Au kamati, au tiki na. Na mutuka. Na na zaïkla na mutuka. Muka bojak. Kaka ye moko. Bazaki na kibumbe banza. Na na lisusu. Na erji. Alors, oui, bonjour pour Mélangani, qui a eu servi. Vous êtes là, qui n'a pas eu de expliquer Bango. Bon, d'ailleurs, au cas où le chef, le patron, il n'y a pas de Mugabo. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps, il y a tellement la chaîne qui va vous comme la vie qui se matin. Et vous voyez, quand on chauffeur va s'y dire, il va venir à la moto. Quand
chauffeur on est là qui n'a rien besoin. Oui. Yo qui n'a même mutu qui va défendre ou bien mutu comme sauce. Et ça qui va défendre mes balais. Non, il est obtient à défendre les sauce. Oui. Tant que tu dis bango va sali bango. Te bango va sali une opération à un mutu qui a tellement un check qui a tellement un check mutu. Yo aussi mutu qui est obtient. Oui. Après que vous avez mis balais, il est obtient qui paye. Oui. Autalité ce qui va sali de bango. Na suka ngene yako yeye mmsale baba ndio sana. Oyebini. Bachaka bango sashi na mtu. Ne yake na manza na manza kana ba pedos. Temo kolonel juma ranga kawa deja wa masa na ngai. Nani konfirm kama yake kibundo kanza urgent. Longo kae bango nyasuka na kutaba mmoja jana instruction. Mwana zaka de report na tanko kulu. Tango wakingai ngana yaka de kona ko max effectif. Alors après wana tango botiki bosundoli voiture na ebele ya patron kokenda ki wa tokenda ka place moko mo ko lende place na makansi zobu ngangai tokoma ka place wana kwisa ma bongo moko muke na mo masanga wana tomela ka après colonel abesinga ordre yo zonga na ndap tokola ndenge moko akenda ko zwa chofer tokola ende moko akenda ko zwa c'est bien, nous sommes là que nous avons un patron, nous avons un copain. Et la caissière m'a téléphoné quand j'étais sur place maintenant, et c'est là qu'elle m'a trouvé pour me remettre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 2 500 $. J'étais en train de me poser maintenant des questions. Elle me dit, le chef m'a envoyé auprès de vous pour vous remettre cette enveloppe. Je commençais à me poser la question, il me donne cet argent, c'est pour acheter mon silence ou quoi? Mais eux ont parlé de 40 000 $. En même temps, je rentrais chez moi, j'allais à la maison. C'est comme ça par après que Christian va me téléphoner pour me demander où je me trouvais. Moi, je lui ai dit, je suis chez moi à la maison. C'est... Ma mission TV, le miroir du monde. Présentez-vous à la base. Mon général, vous le banamono français, l'ingala, tokena. Français. La cour vous a invité pour. Être entendu en tant que renseignant. Et en tant que tel, vous n'allez pas prêter serment, mais vous avez l'obligation de dire la vérité. Pour l'instant, on va vous isoler, et quand la cour aura besoin de vous, on fera ce qu'on fait. Commandant de police d'audience. Zoki Sa. Répond. C'est la même chose, vous êtes appelé ici en tant que renseignant. À prêter serment. Ok? Vous allez rentrer à votre place et quand la cour aura besoin de vous, vous ferez ainsi. Enseignant Doudou Ilunga. Mon colonel. À la barre. Okosa, madame Nokonini, français, Lingala, Swahili. Lingala, mon colonel. Lingala. Comment allez-vous? Ilunga, mon colonel. Mekano, Ezawa. Ezana Gatanga. Botami Wapi. Nakamina. Mkolonini. Le 1er janvier 1982. Tatanayo. Ngoy Martin. Maman Nayo. Ida Mkandjila. Azawi. Kakufa Bangonyos. Ngoka Nayo. Village Natal Kafungo. Collectivité. Secteur. Secteur Kimpunki. Territoire. Kamil. Province. Olomami. État civil. Marié. Dans la banne à Bonne. État civil, dans la 5, on a plus 6 et plus 11. Là, banne à 11. Banne à 11. État civil, 6
C'est-à-dire quoi? La lobby, hein? Vous en avez la bonne. 11. Vous en avez la 11. Oui. Avant qu'on m'a suivi, avant qu'on m'a suivi, vous avez 5. Hey, il y en a qui vous a fait. Ça va. Vous venez où? Ah, la famille à Katango. Bien. La bénédiction à Walokola enseignant. Bon, vous connaissez. C'est-à-dire. Pesa biso parcours na yo avant comme na police de mine na Katango zalai ko sala ezangi na wana kishasa police de mine ezawa ezala Katango mon colonel comme ki kuna na mbula nini na comme ki kuna na 2010 zalai ko zangi na telegram te mon colonel le sur ordre na kino police. Ma conservation va passer sur ordre. Ma pressa la télégramme, ma salle à café de route. Vous avez une affaire de route? C'est un cas de rappel, Moussala, à 8 bons à café de route et de la table. Nani? Christian Ngoy Kenga Kenga. Christian Ngoy Kenga Kenga. Oui, mon colonel. Mais, hier, ça a été Nani? Commandant Bataillon. Le commandant Bataillon, vous connaissez, vous avez une chose qui est dans la Katanga. Moi, Moussa les Zalaka, mon colonel. Moi, Moussa les Zalaka. Oui. Les Zalaka n'a pas de l'ongwa qui est ça. L'ongwa qui est en 6 mois. Moi, n'a pas de l'ongwa. Date n'est pas de l'ongwa, mon colonel. Date 11, c'est l'équipe. Vous avez un moyen. Vous avez un vol. Vous avez un lore. Ils sont où? Troupes, ils sont dans le deuxième combat de Marana Boutou. Na Boutou. Oui, mon colonel. Na groupe, n'a pas de l'ongwa. Vous avez mis ça. Yona nani. Ngai nongwa kayeye na oinulanga. Bokinaki wa Katango. Yolo bibo zaki na deux convois. Premier convoi zaki ya banani. Premier convoi mon colonel zaki ya Ugaboja. Erjini Lunga. Na Kibume banzi. Bango bagana yi mukolo mususu bino pe mukolo mususu bwo mo colonel banan bagana ki liboso ba erigile lunga na komanda batayo bango bagana ki batumine bino bagana ki batumisa c'est ça. Mais qu'est-ce qui est fait que bokede ndenge wa bango musala mo koza ki na inspection générale mon colonel. Moussala? Oui. L'inspection générale des Akawa. Et ça, on a avec ça. Bon, pour le Moussala dans l'inspection générale, pour que vous continuez à Katanga. Et mon colonel. Alors, fait... expliquez un peu, c'était quoi? Moussala Nini. Pena Moukolonini. Moussala Nini. Merci, mon colonel. Nazaki de repos. Oui. Oui, mon Nazaki de repos. Nazaki téléphone est lévi. Vers 18h. Le téléphone est venu, il a dit que mon père est venu, j'ai un bataillon, ancien major. Il est venu, aux arbres, il est venu à la ancien major, Nani, Combo. Commandant bataillon, Christian Ngoui. Oui. Il est venu aux arbres, mon major, il est venu à la table, dans le camp de Combo, quartier 11. Il y a qu'un instructeur général à vos ordres. La commune instructeur générale, vous invitez, que deux oreilles là-bas, il y a Mali, vous savez, vous les alliés, à vos ordres. La zone qui n'a pas été venu, la Kankoko, la Zulama Mali, la Zongi. Aux autres, la Zongi, ils ont fait 18h. Nous sommes contents de voir Misnavi pour déplacer le Télémar. La télé, nous sommes contents de voir Misnavi Kraka à Pessingaï. À l'Isera, nous sommes contents de voir Zoya. Pour gagner Kraka, nous sommes contents de voir Namoutou. Et bien, vous aurez. La télé, nous sommes contents de voir Namoutou, voiture Mazda. Le prix. Et Koti, là, va tenir va aller. On va faire la télémie pembelle, on va faire la télémie pembelle. On peut encore Koti faire les billets, on va aller faire mon Koti à Moutouka, chauffeur à Tira Moutou. On va faire Kiti, à qui est l'inspecteur à côté de la carte. On peut faire pilon, on va se faire pour la télévision à côté. Là, on va faire un carbone, on va faire le pays. Et pas commander un bataillon, Christian Gros. Après, c'est Ilunga.
Ilunga, kanga na mutu wala kraka, niga na nini, na mutu kwa presi nini, Jack Ezali, na mi ahuzoni, na kanga papa wala kraka, na mi wale inde inde na mutu kala, tika na mutu, ya nge sina zongi sima, na jusko jofere, na kange kraka lisusu, na kena tika na mutu, na zongi, basilisi, kapra venga mi, toke nusu nini, kutika nini, chofere, mi ahuzoni, tomate na mutu. Non, attends. Aujourd'hui, nous avons bossé dans la Kinane. Pourquoi peut-être que l'inspecteur général Tatawana. Oui. Vous avez vu comment on a été. Il est bien pété, attends, je vais vous donner le été. À où tu vois, à côté de l'inspection générale. Oui. Et puis, nous avons mis ici. Bien, mon coup. Nous avons mis ici. À côté de l'inspection, nous avons mis à côté de après la Bima. Nous avons mis ici. Oui, oui. Tant qu'on a l'équipe placée à commandant bataillon, le commandant bataillon peut signer de lui dire quand il y a un craquant à vos ordres, quand il y a un craquant, il y a un craquant. Tant qu'on a mis au tien à craquant, au tien à moutouka, au wapi, moutouka, au ya yo, ou bien au moutouka, au ya yakinango. T'es moutouka, au ya vu sa police, et ça va défendre le mi-balé. Ah bon, à tout. Au kamatié. Otiki na na mutuka nana zaiki na mutuka mukabosha kaka ye moko bazaki na kibumbe banza nana lisusu na RG okay okangi bango kraka na kangire bango kraka na kira okangi ye kraka boy okoko tika ye na maboko ya mukabosha ni dabosha kibumba na RG boy olobi na bango nini. Albi, si le ordre de la Mokonzi, Albi n'a pas de mouton. Albi, quand c'est là, on a fait un porteur à Tiki et à Kati. Après la Zongi, parce qu'il y a un gars, il y a un chauffeur. Albi, le chauffeur qui veut que la Mango compte. Vous connaissez votre chauffeur WAP? La voiture de la Mango. Vous suivez Albi, aucun AET WAP? La moto comme ça, c'est là, on va payer. Il y a un qui n'a pas de canaille. Oui, il y a un qui n'a pas de. Je suis là. Monsieur meeting de Ozoa, Moto a contacté l'inspection, l'air abîmé, Mada Bataillon à l'Obinayo, Zoye, Kende Otikaye, Namutuka. Ok, Otikaye, Namutuka, Esika, Mugabo, Nawa, Egid Bazalaki. Oui. Tangwana, chauffeur Naye, chauffeur Obayaki Naye, Katia Mugiazawa, patron Naye, Bayaki Obayaki Naye. A Monaka, Péomé Lakate. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Te bango wazaki na operasyon na wana mtu katele manga na chaki kate nga zaki mtu ya yo zui mtu oke otika apre oke kuzo ya mi bale oye otiki pe boi otali te soki basali ni bango ni te nasuka ngena yeko yeme musale babande kusali oye bini bachaka bango sashi na mtu epui apre tofungula ngo kaka toke otika shofer na miteni ache bango sashi na mtu boi quand on a fait un chauffeur à mi-temps, on a fait un chauffeur
Mais bon, la moitié, on s'achète la moto. Oui, mon colonel. Il a tout fait, bon. Oui. Quand vous commencez Kiwana, quand vous êtes commis na l'inspection, à part commandant Nayo, peut-être mon cousin est ici ce soir. Que mon colonel. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Oui. Il était au côté de la Maboko ya Migabo. Oui. Il y a mis balé chauffeur. Quel est le côté de la Maboko ya Nani? Ezaki, opération ya Tango Wasisi, patron, Babimi, Namoutou Kawana, Bakaye, Namoutou Kamoussous. Donc, la même équipe. Donc, quel est le côté de la Maboko? Il y a même équipe, mais Namoutou Kamoussous. Oui, mon colonel. Mon colonel, tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de Tuzi barabara kubima na o nani neto zote kubima kwa kokoro. De tuvi toliki ya bandar pe onza ese liki mokozi. Kwa sisi ni tukenda kwa ese bungi gai. Oye bisu nzela ya mpuke ndekite. Mwete mwete tufaka tuvi mika na ipend, ipend mbara moko tukumi na mitendi. Bo, yo uzaka entre mokozi na yo, uza garde koro ubi usaka msali na batayon ya Simba. Naza garde corps na mon colonel. Garde corps à nan. Il y a Christian Gokinga King. Opération on a au essai mec une inspection. Et je qui t'a donné. Et mon Sikoyo. Bokene na mitu ka boni pour na komata ti et pas bokenda ki. Mitu ke za ki boni. Tous ceux qui ont défendu Mibale, la voiture et la patronne, la totale, entre total luxe, bien mutu ka Christian Gokinga King. Vous avez tout cas quatre. Yo, vous avez mutu ka nini. Vous avez mutu ka Ezaki na Longo ka yeyi. Et bien, mais nini Ezaki na Katiwana. Et bien, mais Ezaki na Katiwana, Ezaki ya chauffeur. Na mutu kana bino wana chauffeur nana zaiki komemango longo kaye nana zaku pesa bino itinerere nana zaiki liboso pona wala sabino nzela muna wako nana zaiki liboso pona wala sabino nzela pe to wana kona ndene mutu kwa zaiki liboso ya energi ilunga energi ilunga energi la zaku mema oye zaiki na kor ya patron ya patron boy yende zaiki liboso boy Nasima Yabino. Oui. Bongo Oya, commandant en bataillon. Tout est luxe. Ezaki na positionné. Yazaki Nasima, la biso. Ezaki na katikati. Bongo Oya, voiture à patron. Donc, on peut na katikati défendre mon colibosso, sous Nasima, tout est luxe, na katikati, na voiture, pe na katikati. Nana Zako, ma mutuka patron. Mutuka patron. Mutuka patron wana ndela chaka te mon colonel. Bien. Alors, Sikoyo, pesa biso, na chaque mutuka, banani bazalaki. Mutuka ya Ergil, nana zalaki nakati. Mutuka ya Ergil, ezaga na Mugabo Jacques. Mugabo Jacques, entrena kibume banzi. Isso que tu será que na muito bom o susto me nani longo caiei ngai não será que nani e coqui
Zaga CSC6. Oh, colonel, Zaga Mokona Yemoko. Yemokoka. Oui. Bon. Alors, est-ce qu'on a dit Milamboué? Milamboué, Aza Major, Avanako Vanda, ancien Major, Avanako Vanda, pas Christian Kinga Kinga. Nabout, Mkolwana, ya Moussala, parce que je vais en Moussala. Hier, Azara qui était dans l'inspection. Mon colonel, n'a qui caté la case à la bureau. La bureau tellement absurde quand on m'a caravan, on se quand on m'a en retard. L'invité mon colonel, ni l'angle peut-être à la case, mon colonel, n'a rien baraté. Bon, si vous avez une inspection, hier, quand on a dit la moutou à mon côté, ni l'angle, t'es à ta mon côté, t'es donc la carabatte opération qu'a gagné au Bokina Gatan à Nika Bazaraki. Oui. Quand vous avez dit que vous avez dit quelque part avant que vous ayez la destination. Tiens, vous avez dit que vous avez dit. Je suis l'accepté de Sikawa. Je suis le commandant bataillon Christian Gouekinga Keng. Alors, je suis là. L'entrée, je suis le commandant de Bola Dangaï. Est-ce que l'itinéraire est à partir de l'inspection? Si ou bien vous voyez comment kakakuna kakakuna mon colonel mais n'est-ce que vous voyez kuna soko bien c'est que l'itinéraire à partir de l'inspection te yo mon conde à zaki nani l'inspection à moutou banaye alors tant que vous kuna à bimibido wa tant que vous ici te tant que vous komi pour n'a beaucoup mana ici ka vous fallu bokende na l'accès qui binon zé là commandant bataon alors bina binoni Amito kende, omu tuka msu sezali uo ezaki katikati oyo, ele kaliboso, koto tika chauffeur, eva luka o ezaki liboso, eza na ngope sima. Ezaki na patron. E sika wane? Ya tango komi ezaki negeni? Tango tokomi, tokutaki wapemi mi bale. Quand vous avez commis, vous avez fait un balai, vous souhaitez soyez les bienvenus. Vous voyez la vie dans la place de la vie. Quand on a fini, on a fait un place de la vie. On a fait un peu de temps. Il y a une autre construction majeure, qui est ancienne majeure. Donc, vous avez fait un balai avec Miwana. Vous avez fait un corps à chauffeur. Vous avez fait un portier à ce moment-là. Vous avez fait un corps à chauffeur. Vous avez fait un petit peu. La cima. Va fonger la portière à cimenter, va jouer encore à chauffeur. Il se fait petit, tout à l'heure, il est encore disco du bosso. La petite à Katikati. Au tiki corps qu'on a. Oui. N'est-ce que vous avez dit que Bazali va peine? N'a pas besoin de Bazali va peine. Moi, quand on a eu la tenue, on a eu la tenue. Et ça, on a eu la tenue. Et ça, on a eu la tenue. Et ça, on a eu la tenue à peine. Et à peine. Après que tu es bien bien, tu es un peu de temps. 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 Tu es un peu Oye ya patron te yaga na mwona katikati ya bala, ya balabala. Tukitisie, tukitisie na mutu kana ye. Apre biloko wa somba ya wa plant na wa la kaja ya manjaka. Tufikile na mutu kana wa prisansi. Kwa posu nori mutu ka plas wa naibe menakati. Oye. Tukina wa kei. Oye. Nane ya kina wa...
Alors, après, on attend le boutique, le sundoli, voiture. Là, il y a un patron. Tant qu'on peut s'y rendre à Boutou, il nous a zongé dans le Dako.
Quand on a fait ça, après deux jours, il y a eu un mousse et il y a eu un couverti dans l'infectation. Donc, il y a eu un Kasumbales. Il y a eu un doudou, il y a eu un Louisha. 180 km dans le Mombashi. Longo Kaye, Batinda na Kakanda, Ergil Kolozi, Ngoi Moulanga, Batinda na Fonguru, à part Mugabo Jacques, et d'être été presque à Tinda Kaye. Tokoma Konamo Kolon, Topirija, na Zamba, pendant 11 ans, Tovandaga na Zamba, pendant 5 ans, Makeni et Bandina Bango. Bon, ça, c'est son nom bongo. Pourquoi mon tozo zoate, botini sur la Zamba, na mon tozo futa lisote? Moi, Makeni et Bandi, 2015, va contrôler. Nous avons un bon à l'État. Dernièrement, nous avons un bon à l'État. Qui est bon, mais bon. Nous avons un bon à l'État. 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 Nous avons un bon à frontière. Nous avons un bon il faut avoir un bon à l'État. Il y a un autre qui a fait une inspection et il a raté. Ah, papa, quand tu as fait une sauter, tu as fait une sauter. 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 Tu as ah, ce que ça de ces wana, on a coloba. Ma veste qui n'a bombi. Là, on a une vérité de ces ennemis, ils ont la carte. Les deux ennemis, ils ont mon colonel. Venir à l'inspection. Est-ce que tout doit vous se souvenir que dans la première qui n'a inspection, Batessa qui est appareil à Sitana Sim. Ce qui va faire ça qui est appareil à Sitana Sim, vous avez pas dans la Sim. Pas pesangande kraka et pas nani commandant bataillon de pesangani ni kraka. A pas kraka. Vous allez au Zonga, au commet quelque part en haut, pas quelque part en haut, il est vite à Tinda pour mon bobo. Est-ce que vous allez reconnaître que Batinda qui, trois personnes, parmi trois personnes, vous êtes à Kati, vous êtes au Zoua chauffeur, il y a mon Kozimoko. Est-ce que vous allez reconnaître qu'en haut? Tu es bon, ok, le retire. Bon. Il y avait encore Moutoumoko et Misatu. Moutoua, j'ai la kacha moutou kade. Mon colonel, Bibé Mesaki, combien au juste ou yon monaki? T'es mon colonel. Moutou kanga, on a kotaka, tant que tu es patron, tu es à défendre. Tu es chauffeur, tu es à défendre. Nandenge, tu es maka. Na ugutu kuna kota keo wezala lungo kaye ebembezala te mon colonel. Ebembezala kate. Apare ya chauffeur. Apare ya chauffeur. Boui. Est-ce que votre kole kate na mbiza o zone, vers Kisuka? Tango bale o kendoa. Te mon colonel. Donc pour la yozo reconnaître que ebembezala ki libane, boui. Na patron, na chauffeur. Boui. Pour l'instant, monsieur le président. Kilunga Doudou. Alobi. Le monde est là. Donc on a donné moko à Kenda pour nous chauffer. Donc on a donné moko à Kenda pour nous chauffer. Donc on a fait pendant la patrouille,
Que vous aviez été suffisamment entendu au premier et au deuxième degré, mais après le prononcé de l'arrêt qui est intervenu en 2015, certaines personnes qui ont été condamnées par défaut ont été arrêtées. Et juste après l'arrêt intervenu en 2015, le ministère public est allé en appel. Et comme l'appel du ministère public est général, et que l'un des fugitifs arrêtés est allé en appel à la personne de Ligabo, il a été entendu. Prévenu Ligabo. Et donc, vous allez être entendu à titre de renseignement. Et l'article. Vous allez qu'il y une inspection. Oui. Vous allez qu'on s'en aller. Vous allez qu'on s'en aller. Vous allez qu'il y a une inspection. Vous allez qu'il y a une inspection. Jiro wana komanda batayo Christian Ngoyi Kenga, wakati alinibeba. Tangu amemingai, komanda Christian Kenga Kenga, tangu amemingai. Kambi Christian Ngoyi Kenga Kenga nde alinibeba mungiro yati. Nde amemina na biro na ye. Ukuti ye. Nakuti ye moko na Christian Ngoyi Kenga Kenga. Alubi na yoni. Haibi saki ngai ke kazi ya kufanya iko. Alubi musala ya kusala izali. Ape saki yoni. Après ça, nous avons sachet, nous avons mèche, nous avons mèche, nous avons mèche, nous avons na scotch, avons mèche, nous 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 avons mèche, ces jours-là, c'est-à-dire le 1er juin. Le 1er juin. Oui. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo. Oui. Ils lui sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi qui leur a confié une mission de tuer Tchebeya. Et que précédemment, il y a eu $40,000 qui a été disponibilisé pour tuer Tchebeya. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui Christian Ngoyi Kenga Kenga et à lui qui est, en fait c'est à l'occasion où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé, on lui faisait des promesses, mais il n'a jamais été récompensé. C'est cette fois-là, comme on lui a confié une autre mission, on lui a confié une autre mission, il commençait à tergiverser. Et Christian s'est vu obligé de venir auprès de moi pour que je puisse intercéder auprès du général par rapport à la mission qu'il leur a confiée. C'est comme ça qu'il me parlera du montant de $40,000. Vous pouvez lui poser la question, il ne va pas nier. Vous posez la question à Christian qui me l'a dit. Et lorsque je me posais la question à côté au major Paul Mouilambwe par rapport à cette question-là, le major Paul Mouilambwe m'avait confirmé. Il m'a même dit qu'une mission a été effectuée à Lubumbashi.
Djebeya aurait effectué une mission à Lubumbashi pour aller intervenir dans le cas d'un monsieur qui était arrêté dans un dossier, je ne sais pas moi, d'uranium, quelque chose comme ça. Et que les organisations de droits de l'homme ont voulu à ce que M. Djebeya, ayant de bonnes relations avec le gouverneur, puisse descendre au Katanga. À cette occasion-là, selon le major Paul Mouilamboué, c'est Christian qui le lui a dit, parce qu'ils habitaient ensemble, la même maison. Une mission de filature pour que Djebeya puisse être tué à Lubumbashi a été effectuée. C'est dans ce cadre-là qu'il va me parler de ce montant de 40 000 dollars et que lui tergiversait parce qu'il a eu précédemment exécuté d'autres missions de tuer, de confier par Tony Numbi qui faisait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit, vous voulez tuer Djebeya? Il me dit oui. Moi je lui dis, ne le faites pas. Il me dit, appelle le général. Et pendant qu'il me disait, appelle le général, son téléphone sonne. Il me montre, il me dit, regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. C'est lui qui est en train de m'appeler. Il a pris Jacques Mugabo. Ils sont sortis en trombe de mon bureau. Voilà ce que moi je connais de cette affaire par rapport à cet endroit-là spécifique. J'ai dit. Jacques. Mon problème. Oyo qui m'a quand vous renseigné à l'Obi. Au lobby Nina. Mais mon coq qui m'a expliqué ça va. Hein? C'est pas vrai, mon frère. Premièrement, quand je suis arrivé à l'inspection générale, j'étais dans le parking dehors. Christian a été à l'inspection générale. Mon dernier mobile, mon office à Pande Daniel. Christian est allé dans le bureau de Colonel Daniel. Oui, continue. Quand il est allé dans le bureau du Colonel Daniel, un certain moment, il est rentré. Il m'a dit qu'il y a un travail à faire. Mais je me souviens qu'avant de partir, il m'a dit que les collègues allaient appeler, il y a un travail à faire. Oui. Kisha, il est qu'on a fait masser à Rikoya, nous pourrions dans Kumomba, à Dushaourie. Non, ce qu'il a dit que nous sommes allés pour qu'il intercède pour nous auprès du général. Ça, je ne crois pas qu'il pouvait dire ça parce qu'il n'était pas mon chef direct. Et même à propos de cette somme d'argent, je ne le connais pas, je ne l'ai appris que maintenant. Après avoir fait les opérations, il nous a donné tout ce que je vous ai dit ici, tous les matériels, et arrivé chez lui, il nous a donné l'argent. $50 chez lui à Rigini. On a donné à chacun $50. Il a donné l'enveloppe au major Christian Kengakeng à notre présence, dans laquelle il y avait l'argent. Après, Christian Kengakeng nous a donné à chacun $50. C'est dans sa parcelle à Rigini. C'est eux, par la bouche de Christian Kengakenga, qui m'ont révélé la mission qu'ils avaient. Vous pouvez vous rappeler à quelle heure ils étaient arrivés à votre bureau? C'était vers 17h, quelque chose comme ça. Vers 17h. Il n'y avait plus de gens là-bas au bureau. Bon, je sais qu'il devait y avoir des gens parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de mener une enquête dans le cadre d'une autre mission de tuer que le général John Numbi les avait confiée.
Vous vous souviendrez, quand je comparaissais, je vous avais parlé d'un cadavre que le major Paul Mouilamoué m'a téléphoné pour m'informer qu'au cachot du commissariat général de la police, il y avait un cadavre. Moi, je lui pose la question, ben, il y a un policier qui est décédé parce que le cachot du commissariat général de la police est supposé être géré par le bataillon Kijé et que ne peut être dans ce cachot qu'un policier puni pour question de punition de corps. Mais il me dit non, le général John Enoumbi a confié la mission de tuer les Koulouna. Alors, son, le commandant de sécurité Congolo, qui était dans cette mission-là, le commandant de sécurité de John Enoumbi, au lieu d'amener le monsieur là qui était blessé par balle, l'amener à l'hôpital, mais lui l'a amené ici, ça fait deux jours qu'ils l'ont oublié ici. Monsieur est mort de ses blessures. Et j'ai pris le téléphone pour appeler le général. Il était injoignable parce qu'il n'était pas à Kinshasa. J'ai appelé l'auditeur général, le général Kondé. Je crois vous avoir parlé de cette histoire-là. Donc, s'il nie aujourd'hui les autres missions, c'est faux. Dans le cadre de la stratégie du général John Enoumbi, c'était de me faire porter le chapeau comme fusible pour que tout ce qu'il a eu à manigancer ne puisse pas l'atteindre. Et ce qu'il est en train de jouer ici, il est en train de jouer la même stratégie qui a été mise en place. Moi, je suis quelqu'un qui a été pris en otage par John Enoumbi. Non, répondez aux questions qu'on vous pose là. Ne sortez pas de... Il ne faut pas étaler vos émotions. Répondez aux questions qu'on vous pose. Restez dans le cas des questions. Donc, Christian Kegakenga et Jacques Mugabo sont arrivés à votre bureau pour vous dire qu'ils avaient reçu mission d'assassiner, de tuer Tchébert. Et vous, vous leur avez dit, ne le faites pas. Ne le faites pas. Lui me dit d'appeler le général. Et pendant qu'il me disait comme ça, son téléphone sonne. Il me montre son téléphone. Regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. Donc il était en train de subir la pression. Après cela, je pris le téléphone, mon téléphone à moi. J'ai appelé le général John Enoumbi. John Enoumbi va me raccrocher au nez parce que je lui ai dit ceci. Mon général, pourquoi ne pas les recruter? En fait, auparavant, le général John Enoumbi, quand je lui ai transmis le message de la rencontre que j'ai eue avec Tchébéa, la Roban, le général John Enoumbi, comme tout malicieux, m'a géré en me disant ceci. Que oh non, c'est quelqu'un qui m'avait aidé. En Deuxième République, on m'avait arrêté, emballé dans un sac et conduit à Kinshasa, gardé au cachot de sous-sol du camp Tchati. C'est lui qui m'avait aidé. Il a créé en moi le sentiment de sympathie de la personne avec qui moi je n'avais aucun problème. En fait, quand je lui ai dit que mon général, pourquoi ne pas le recruter? Pourquoi je lui ai fait cette proposition? Parce que j'ai compris que le degré de syntonisation entre le rapport qui existe entre Floribert Tchébéa et le général John Enoumbi permettait à ce que lui, comme chef de la police, puisse le recruter ou le manipuler. Évidemment, c'est ce que le général n'a pas compris. Il m'a raccroché au nez en me disant, est-ce que toi, tu as de l'argent pour recruter quelqu'un qui travaille avec la CIA? Il m'a raccroché au nez. Renseignant Moukalaï. Oui, revenons en fait. Vous vous rappelez que autrefois nous avions une méthodologie. Nous avions commencé à la date, à une certaine date. Et d'abord, vous avez commencé par envoyer une lettre à Tchébé. Oui. Est-ce qu'il a répondu à cette invitation? Répondre à l'invitation comment? Il y avait sous la signature du général John Enoumbi, il avait signé la lettre. Pour qu'il se présente? Non, pas pour se présenter. Oui. Tchébéa avait écrit une lettre demandant l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Oui. Oui, c'est la lettre qu'il avait signée. Et il m'a dit que je viens de signer la lettre. Si tu peux la lui faire parvenir. Oui. Et c'est ce que moi je fais par les touchements du lieutenant Mouila. Vous vous souviendrez de ce... Oui, mais cette lettre-là, oui, que vous avez transmise
au défunt Tchébéa. Oui. C'était une invitation ou bien ce n'était pas une invitation, c'était quoi? C'était une réponse à la lettre de Floribert Tchébéa, répondant à la requête de Tchébéa sur l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Est-ce que le 1er juin, Monsieur Tchébéa est arrivé à l'inspection générale? Ça, je ne sais pas, ne peut connaître. En fait, je le sais parce que lui et Christian Ngoï Kenga m'ont dit qu'ils étaient avec Tchébéa et que le chef leur a donné mission de les tuer. Mais qui sait? Est-ce que ça allait se faire à l'inspection ou bien? Ça, je ne sais pas. En fait, le lieu où ils devraient les tuer, ça, je ne savais pas. Mais moi, je sais que j'avais dit non, ne faites pas ça. Mais quant à savoir les lieux ou comment ils vont les tuer, il n'y a que eux seuls qui savaient comment le faire, comment procéder. Bien. Ben, ils soutiennent que de vous, ils ont reçu matériel, notamment les cagoules, notamment les sachets vivants et même les téléphones. Mon colonel, c'est du mensonge. Je vous dis que c'est du mensonge. Moi, je ne leur ai rien donné par rapport à la mission de Tchébéa, si ce n'est que les interdire. Et alors, eux, ils avaient leur requête. Et là, je n'avais même pas encore posé le problème qu'ils ont sollicité mon intervention auprès du général. Je n'avais même pas encore posé le problème. Comme le général m'ayant, raccroché au nez. J'ai posé le problème qu'ils m'ont posé. Quand j'ai quitté les lieux, je me retrouvais à Belize. Je commençais à me poser des questions. Le général m'a raccroché au lycée, c'est-à-dire il risque de m'indexer. J'ai commencé à un peu avoir peur. Il risque de m'indexer parce que j'ai pris une position qui ne semble pas, le connaissant, qui ne semble pas cadrer avec la mission qu'il a confiée aux autres. C'est comme ça que je prendrai le téléphone pour l'appeler en pensant aussi me racheter parce que si je ne dis pas aussi ce qu'eux ont demandé, ça risque de se retourner contre moi. Je prends le téléphone, j'appelle le général, je lui dis, les gens à qui vous avez confié une mission, ils lui réclament l'argent que vous leur promettez, mais pour cette fois-ci, ils disent c'est mieux que vous leur donnez ne serait-ce que le 40 000 dollars qu'on aurait donné, je ne sais à qui. C'est comme ça que le général John Numbi me dira qu'il va instruire sa caissière. Et la caissière m'a téléphoné. Quand j'étais sur place même. Et c'est là qu'elle m'a trouvé. Pour me remettre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 2500 dollars. Alors, j'étais en train de me poser maintenant des questions. Elle me dit, le chef m'a envoyé auprès de vous pour que je vous remette cette enveloppe. Je commençais à me poser la question. Il me donne cet argent, c'est pour acheter mon silence ou quoi? Mais eux ont parlé de 40 000 dollars. En même temps, je rentrais chez moi, j'allais à la maison. C'est comme ça par après que Christian va me téléphoner pour me demander où je me trouvais. Moi, je lui ai dit, je suis chez moi à la maison. C'est comme ça que Christian viendra chercher l'argent qu'ils sont venus solliciter, que je puisse intercéder auprès du général. C'est la raison de leur présence chez moi. Je ne les ai pas donné l'argent, moi. J'ai reçu Christian seul dans mon salon. Je lui ai remis l'enveloppe. C'est lui, Christian, qui s'est arrangé pour leur distribuer l'argent de leur manière. Donc, ils font aux autres. Et ils sont arrivés chez vous vers quelle heure? En tout cas, c'est au-delà de 20, entre 22h et 23h, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était normal qu'on vienne chez vous à 22h, 23h? Pour toucher quelque chose, c'était quoi? Comment vous avez interprété ça? D'abord, à partir du moment où j'ai dit non à cette mission-là, qu'est-ce que moi je vais encore interpréter? Je connais comment le général John fonctionne. Je n'ai jamais été d'accord dans beaucoup de choses. Je peux vous donner d'autres exemples. Non. On va répondre à l'autre. Et donc, selon vous, en remettant l'enveloppe, est-ce que c'était mission accomplie ou bien mission non accomplie? C'est au général de répondre à cette question. Mais vous? Non, moi je me suis limité à recevoir l'enveloppe que le général a envoyée, à le remettre. Point barre. Les gens qui arrivent chez vous à 22h, 23h,
quand ils sont arrivés chez vous, ils avaient des véhicules de la police. Ils étaient dans des véhicules de la police. Moi, j'étais chez moi au salon et Christian est entré au salon où j'étais. Quant à savoir les véhicules qu'ils ont utilisés, je crois que c'est lui. Mais chez vous, quand les gens entrent, il n'y a pas quelqu'un qui vient les annoncer. Ils entrent comme ça. Il y a le commandant de sécurité qui ouvre. Moi, j'ai dit que le commandant Christian entre. C'est le commandant Christian qu'ils ont fait entrer. Alors, qu'est-ce que Christian? Il vous a dit qu'il était accompagné de ces... Il m'a dit que ces jeunes gens étaient fatigués par rapport à la mission que le chef leur a donnée et tout ça. Et il m'a même dit que... Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ils peuvent prendre quelque chose? Bon, vous avez dit ici que Christian était venu à votre bureau avec Jacques Moukabo et qui vous avait annoncé avoir reçu une mission, la mission de tuer Tchébéa. Et vous les avez découragés, vous leur avez recommandé de ne pas le faire. Alors, vers 23h, ces gens reviennent chez vous, arrivent chez vous, vous disent que, et lui, Christian, vous dit que, avec le travail qu'ils venaient de faire, ils étaient fatigués, est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre même un petit remontant ou quoi? Dans votre entendement, ces gens revenant à cette heure-là, est-ce que vous leur avez posé la question si la mission qu'ils avaient reçue et... Donc vous leur avez déconseillé l'exécution, est-ce qu'ils l'avaient exécuté ou pas? Vous leur avez posé la question, vous êtes quand même un responsable des renseignements. Mon colonel, lorsque le général me raccroche au nez, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi dois-je encore leur poser la question au risque de me créer des problèmes? Vous ne répondez pas à la question. Vous, dans votre entendement, est-ce que ces gens venaient de faire la mission que vous leur aviez déconseillé ou pas? En général, je ne voulais même plus entendre parler de ça, s'il vous plaît. Vous êtes limité seulement à remettre l'enveloppe. À remettre l'argent. Parce que moi-même, ça me dérangeait beaucoup. J'étais scandalisé. Et vous avez... Qu'est-ce que vous leur avez dit en leur remettant cet argent? Mais l'argent que le général a envoyé. Moukabo a dit que vous leur avez remis ça... En leur disant que c'était la prime, c'était une prime. Il vous a parlé ici de 250 $. Que soi-disant, moi, je leur ai mis la prime de 50 $. Et puis Christian aussi leur a remis 50 $. Vous voyez qu'il s'est contesté. Posez la question aux autres détenus, aux autres exécutants comme lui. Je ne pense pas qu'ils vont vous donner cette version. Ils avaient bu chez vous? Je ne sais pas. Moi, je suis resté au salon. Eux, je crois qu'ils doivent avoir cherché à boire quelque part. C'est possible. Ils disent qu'ils ont bu chez vous. Doudou l'a dit qu'il a, il a pris d'ailleurs. Doudou. Mon colonel. Bino, vous m'avez dit que vous avez dit mon colonel. Vous avez bien à Libanda. Vous avez mon colonel. Vous avez suivi? Ils ont bu la oui, cette boisson. Nana semaine qui vient au Massanga. Massanga, colonel. Alors qu'est-ce que vous dites? Pour me faire porter les chapeaux. Moi, chez moi, j'ai reçu le major. Je ne sais pas s'il est major parce qu'on m'a dit qu'il est colonel maintenant. Christian Gouy Kenga. Je n'ai pas offert à boire à ces gens. Peut-être qu'ils se sont arrangés avec les gardes dehors, peut-être. Mais quant à moi, sortir la bière de chez moi, non. Je n'ai pas sorti la bière de chez moi. Monseigneur Moukalaï. Le commandant Christian Kenga sollicite vos services afin d'intercéder pour qu'on leur paye quelque chose pour la mission qui leur a été confiée. Maintenant, le soir à 22h, vous l'avez dit, Christian Kenga, c'est le même jour. À 17h, il sollicite votre intercession et à 22h, il se présente chez vous. Il vous dit quoi ?
la réponse de la requête qu'il a posée auprès de moi. Et la réponse est de lui remettre l'enveloppe. Et donc, la résolution de Kenga Kenga, c'était d'accomplir la mission moyennant un paiement. Mais vous les avez dissuadés. Vous leur avez dit de ne pas le faire. En intervenant auprès du général John Numbi, qu'est-ce que vous lui avez dit par rapport à la requête de Kenga Kenga? Une réclamation de plusieurs missions antérieures, non rémunérées, non primaires. Et que pour cette mission-là, eux étaient au courant que l'argent a été débloqué, $40,000, pour la même mission que eux ont été exécutés. Et c'est comme cela qu'ils disaient que qu'on nous donne ne serait-ce que ce montant-là. Parce que ceux à qui on a remis le montant de 40 000 ont estimé que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute plus. Mais lui me proposera que nous sommes d'accord pour ce montant-là. Voilà ce qu'a été. Bon, maintenant, c'était pour dire, c'était un préalable pour l'exécution de la mission, ou bien c'était une récompense parce que la mission a été accomplie. Et vous, en nous remettant, dans votre entendement, c'était quoi? Bon, d'abord, j'étais en train de me poser la question. Non, oui, vous vous êtes déjà posé la question depuis Delis jusqu'à rentrer à la maison. Donc, de ville, de centre-ville jusqu'à Livoulou, n'est-ce pas? Vous êtes en train de poser la question. Maintenant, il est 22 heures. Vous lui remettez cette enveloppe pour vous, en tant que responsable. Après avoir été sollicité pour cette intervention, réclamant l'argent, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit seulement, selon vous, c'était pourquoi? Mon colonel, je ne peux pas répondre en lieu et place du major Christian, encore moins du général John Numbi qui a sorti l'argent. Mouka vous dit que il a reçu, il a récupéré Tchébéa pratiquement entre vos mains. Vous étiez archi faux. Bougabou. Tchébéa. Azara Kiwa. Oui, Kiki n'a pas escaré. Azara Iba mon côté. Kama et Mao Matangaki. La Kouti Major Mouilambé, colonel Christian, colonel Daniel Mokalane. Colonel Christian, ici. Bonjour, hein. Quand vous connaissez Christian, vous avez le Vandéguana, il est colonel Moukala Aizan. Mon colonel, je répète, il est en train de mentir. C'est faux. En aucun moment, on a été à trois avec. En aucun moment. C'est faux. Donc vous reconnaissez que ce jour-là, vous avez été informé quand même que. Il y avait une mission confiée par votre hiérarchie, confiée à Kenga Kenga et Mugabo, la mission de tuer Tchébé. J'ai été informé par Christian Ngoyi Kenga Kenga en sa présence. Devant cette même haute cour, Navier n'a jamais reconnu ça. Pourquoi maintenant vous le reconnaissez? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant vous donner les raisons qui ont fait que je puisse aussi sauver ma peau. Nous sommes le 2. Il y avait réunion à l'OIA, au bureau du conseil spécial, le feu Pierre Lumbi, dans le cadre de préparatifs des festivités de cinquantenaire 2010, le 30 juin. Dans le divers de cette réunion-là, il y avait le point sur la mort de Floribert Tchébéa. Pendant cet échange-là, le général John Numbi dit à l'assistance que je vais parler à la presse.
Le conseiller spécial, feu Pierre Lumbi, lui dit non, mon général, toi et moi, on doit se parler avec un ton sec. Le conseil spécial s'est retiré dans son bureau. Il a appelé le général Johnny Lumbi dans son bureau. À la sortie du bureau du conseil spécial, le général Johnny Lumbi me dit, reste, il y a un travail à faire. Moi, je dis à vos ordres. Quelques temps après, il me téléphone pour me dire, si on te pose la question sur la mort de Tchebeya, ne dis pas ce que tu connais de cette affaire. Première instruction du général John Numbi. Le général Mukuntu m'appelle pour m'auditionner sur PV. Il me pose la question, comment je connais l'affaire Tchebeya? Moi, je me dis, mais si je dis ce que je connais, je risque d'avoir la foudre du général qui m'interdit de dire ce que je connais de cette affaire. Il m'a auditionné, je me suis limité à lui parler de l'Intsum, le rapport de l'Intsum que j'avais reçu naturellement. Quand cela se passait, on a fini, le général m'a demandé de rentrer. On s'est séparé, je suis rentré, le général Johnny Numbi me téléphone. Tu es où? Moi j'ai dit, je viens de terminer, je quitte l'OIM. Il me dit, passe à la maison. Je passe chez lui à la maison. Je trouve à l'époque il était appelé Kalev. Il me pose la question, qu'est-ce qu'on t'a demandé là-bas? Je lui explique ce qu'on m'a demandé là-bas. Je l'ai entendu commencer à parler en mal du général Mukuntu. Quelques temps après, il m'a libéré. Je suis allé faire le travail. Le lendemain, enfin, le même jour, d'abord, j'apprendrai que le général Mukuntu a été chez lui aussi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Le lendemain matin, le général Mukuntu me téléphone pour me dire que nous avons réunion. Je suis allé à l'OIA, comme je l'avais expliqué, je suis passé par la route Mungafula, comment on appelle, IPN, hein, par la route IPN, jusque-là à l'OIA. Arrivé là-bas, le général Mukuntu me dit ceci. Écoutez, on va faire ceci. Nous allons déchirer ce PV là d'hier. Bon, dans cette affaire, arrêter Johnny Numbi, ça sera compliqué. On va faire ceci. Bon, nous allons lui exiger de te donner $500,000. Comme ça, toi, tu vas porter les chapeaux. Mais on va faire un PV dans lequel il faut que tu les cites pour te sauver, parce qu'en ce moment-là, la cour, tu vas bénéficier des circonstances atténuantes à la cour. Moi, j'ai dit, et il termine en me disant, s'il discute, ne descends pas en dessous de $350,000. Moi, j'ai dit, mon général, je ne comprends pas votre logique. Comment, moi, je dois être arrêté en lieu et place? Je dois être arrêté en lieu et place du général. Il me dit, c'est un ordre. Moi, j'ai dit, non, mon général, je ne comprends pas la logique. Vous connaissez que c'est le général Johnny Numbi qui a fait ça. Mais comment vous voulez passer derrière le dos de la cuillère, passer par là? Allez droit au but, c'est lui, vous le savez. Il me dit ceci, colonel, c'est le général qui te parle. Quand il m'a dit ça, je dis ceci au général. Mon général, ne m'intimidez pas. Le général me dit ceci. Ah bon? Tu dis ça? Ok, tu vas voir. Et c'est là qu'a commencé mon calvaire. On m'a retenu ce jour-là là-bas. 5 jours après, moi j'interprète ça comme le plan A, celui de mon élimination judiciaire, qui commençait déjà. Au 5e jour de ma détention là-bas, il y avait 2 officiers supérieurs, certainement qui sont devenus généraux, quelque chose comme ça. Il y avait l'actuel chef de la maison militaire, fait à l'époque major. Le major, je ne sais pas s'il est aussi général ou colonel Foul, c'est possible, Res. Ces jours-là, c'était le jour, je pense, de Res, qui était là pour me surveiller ou me sécuriser, entre quelque chose comme ça. Il me dit vers 23h, ou je ne sais pas moi, minuit, il me dit, colonel, allons de l'autre côté. Parce que le local dans lequel j'étais, l'aile était contiguë à la maison militaire.
On me demande d'aller du côté de l'aile où il y a l'état-major général, l'aile de l'autre côté. Et on m'a gardé, on a ouvert la porte du bureau que je connais à l'époque. C'était spécial, m'invite dans son bureau. Il quitte son bureau, il m'embrasse, il me dit « jeune », comme ça il avait l'habitude de m'appeler. « Qu'est-ce qui est en train de t'arriver ?» On s'est mis à son salon. Il me dit ceci, présentement là, on est en train de faire pression pour qu'on te délocalise, qu'on t'amène à la demi-ap. N'accepte pas d'aller à la demi-ap, parce que si tu y vas, on va te tuer. Le stratagème consiste à ce que l'on t'abatte. Une fois abattu, on va jeter ton corps, on va appeler la presse et dire à la presse, l'assassin, entre guillemets, de Tchebeya a tenté de s'évader, la garde a tiré sur lui. C'est le conseil spécial qui me dit ça. J'ai eu la chair de poule. Il me dit, ne t'en fais pas, nous travaillons avec les vieux. Il a indiqué les doigts comme ça. Moi, j'ai dit, quel vieux? Il m'a cité le ministre de la Défense, Charles Mondo Simba. Nous y travaillons. Reste ici, nous allons te sécuriser. Mais n'accepte pas d'aller à l'Edemia. Quand je suis resté là, avec la chair de poule, je me dis, mais restez ici, monsieur le conseiller spécial. Souvenez-vous à l'époque où j'étais conseiller en matière de sécurité publique ici. J'avais constaté des anomalies à votre bureau ici, sur le plan de la théorie, des protections, des installations, des documents et des personnalités. J'avais fait une note technique par rapport à mes fonctions. Ça a fait l'objet d'une grande réunion jusqu'au point où on a dû arracher la décision du commandant suprême pour qu'on puisse détacher une unité de la police à l'échelon peloton pour sécuriser les installations du bureau du conseil spécial. Je lui ai rappelé cela. Je lui ai dit, mais le policier que vous prétendez, vous allez me sécuriser, vous n'avez que des policiers sans armes. Je connais l'influence qu'a le général John Numbi à l'armée dans toutes les unités. Or, ici, votre bureau est encerclé par l'état-major général de l'autre côté, le camp Tchatchi là-bas, la maison militaire et ainsi l'inspectorat général de l'autre côté. Qu'allez-vous faire? Parce que, à suivre ce qui s'est passé avec Floribert Chebeya et Bazana, le général Johnny Numbi est capable d'envoyer le commando. On prend les gardes ici, ces deux gardes que vous allez mettre là-bas sans armes, on le prend, on les tue, moi aussi on me tue, on expose mon corps, et le corps des autres, ils vont jeter je ne sais où, et prétendre qu'on les a envoyés en mission. Il me dit, tu as raison, qu'est-ce que tu proposes? Je lui dis ceci, j'entretiens de très bonnes relations avec l'AG d'Arouézi, parce qu'à l'époque, l'AG d'Arouézi était assistant principal. Nous, on était conseillers, au même titre que le général Mobutu, conseiller militaire, moi conseiller en matière de sécurité publique, nous dépendions de l'AG d'Arouézi. Je lui dis, l'AG d'Arouézi, cette fois-là, l'ANR a des éléments spécialisés dans les domaines de sécurité. Moi, je crois que c'est mieux que vous puissiez prendre langue avec lui, qu'on me mette là-bas en attendant qu'on trouve la solution. Il m'a dit, tu as raison. Il a pris le téléphone, l'AG est encore en vie. Il a appelé l'AG d'Arouézi. Et ils se sont convenus, l'AG d'Arouézi a marqué son accord. C'est comme ça qu'on va appeler le général Niembo, qui venait de remplacer le général Fall au commandement de la région militaire comme adjoint, quelque chose comme ça. C'est le général Niembo qui viendra me prendre à l'OUA avec une équipe de l'échelon section pour m'amener à l'ANR où on a mis dans les dispositifs de l'ANR une équipe de PEM pour me sécuriser là-bas, de peur que les gens Numbi ne me tuent. Je suis resté là à l'ANR comme ça, vous pouvez vous renseigner. Je suis resté là-bas. Au 15e jour de mon séjour carcéral à l'ANR, je me réveille le matin. Le monsieur qui était chargé de nettoyer la chambre, la cellule que j'occupais, il entre, mais en même temps j'entendais une sorte de rixe entre les PEM et les agents de l'ANR, prêts à en venir aux mains. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi trop de bruit comme ça? Mokonzi, Balinga Kibabo Mayo, on voulait te tuer. Encore?
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours vers 22h, le général, 22h23, le général Mukuntu, cette fois-là, en culotte, est venu à moto avec sa casque. Il s'est mis sur la chaussée, demandant à ce qu'on me sorte pour qu'il s'entretienne avec moi. Avec moi. Les agents de l'ANR lui disent, s'il vous plaît, mon général, entrez, nous allons ouvrir un bureau pour vous. Vous allez vous installer, nous allons sortir le colonel, vous allez échanger avec lui, vous êtes des responsables. Le général Mukuntu refusa, jusqu'au point de donner l'ordre au PEM qu'on me sorte des forces. Les agents de l'ANR ont dit, nous n'avons pas reçu une telle instruction. Le colonel ne sort pas. C'est ça, la dispute dont j'ai entendu le bruit. Et alors il me dit ceci, tu sais ce qui t'a sauvé, un de nos agents. Nous avons eu la nourriture un peu en retard. Il nous manquait le sel et l'huile. Il était parti chercher le sel et l'huile derrière. Il m'a parlé de la 4e direction du ministère de l'Intérieur. Derrière, il y a des familles de militaires là-bas qui vendent les pacotilles là-bas. Il y avait l'agent de l'ANR qui était parti là-bas acheter l'huile. Et quand il revenait, il a vu au niveau du virage qui donne vers l'ANR, en diagonale avec la primature, qui avait un sniper, un tireur d'élite embusqué à l'arbre qui est dans le virage là. Pour lui, bon, c'est une zone militarisée, hautement militarisée, c'est peut-être autre chose. Il est passé, mais quand il arrive à l'intérieur, il constate cette ambiance, maintenant il a le réflexe, ah tiens, je comprends pourquoi j'ai vu le militaire quelque part là-bas. Et c'est comme ça, ça a augmenté la suspicion. Pour qu'il refuse de me sortir et me dire ce qu'il m'a dit. 2 jours après, le plan B, celui de m'éliminer physiquement, change de fusil d'épaule. On revient au plan A, celui de m'éliminer judiciairement. On vient, on m'extrait, on m'amène à l'auditorat militaire. Devant le général Condé, comme vous êtes assis là-bas. À sa gauche, disons à ma droite, le général Mukuntu, Nzabi, Makelele et les hauts magistrats de l'auditorat militaire. À sa gauche, il y avait le colonel Bachonga et ainsi de suite. On commence à me questionner sur l'affaire Chebeya. Mais on ne trouve pas le lien entre moi et Chebeya. Comment mettre le lien entre Chebeya et moi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Le général Mukuntu va instruire à un magistrat qui prenait note. Par respect, je ne cite pas son nom. Il lui dit, amène les messieurs là. Avec le magistrat, le haut magistrat, il a fait ça au mon général. Il s'est fait insulter de nullité en ma présence. Je ne comprenais rien du tout. J'ai vu le général Condé se gêner même. Qu'est-ce que je verrai? Je verrai Martel Gomer, celui que moi j'ai arrêté dans le cadre de l'opération que menait Michel Mouilak, qui a fait avec moi 5 ans en prison pour le crime économique. Monsieur est contrefacteur. Il lui fabrique les vrais faux francs congolais. Si vous avez 10 000 dollars en cash, il vous donne l'équivalent de 20 000 en francs congolais. C'est celui-là qu'on a arrêté, qui était venu à mon bureau, me proposer 15 000 dollars, il avait 10 000 dollars en cash. Par l'amour de mon pays, j'ai refusé. Quand j'ai refusé, j'étais au courant en même temps que le monsieur opère avec les officiers de l'armée et des civils aussi. Quand j'ai refusé, c'est celui-là que j'ai laissé au cachot, qu'on va me brandir maintenant là comme mon plaignant, qui a vu aussi Chebeya en train de raconter de cela, de comme lui est en train de raconter. Qui a vu Chebeya, tantôt il dit c'était au salon, à la salle d'attente du général John Numbi. Lui, moi, mon bureau, c'est au rez-de-chaussée. Quand on l'a amené à mon bureau, il s'est limité au rez-de-chaussée, il était escorté. Comment s'était-il transporté au bureau, au salon du général John Numbi? On a compris, le général John Mukuntu était bloqué dans le cadre du montage judiciaire de cette affaire. Il va dire, moi, écoutez, il faut qu'on lui trouve
des avocats parce que les autres ont des avocats. Là, je ne suis pas au courant que Mme Chebea aussi allait là-bas pour la même affaire. Mais on ne m'a jamais présenté, ni me confronté avec elle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, on me prend, on m'amène encore là-bas. Les gens, mon Kuntu me pose la question si je connaissais Chebea. Moi, je dis non, moi, je ne connaissais pas. Il dit oui, mais quand même, il y a un de ses collaborateurs qui a dit que tu les avais libérés à l'époque, ils étaient arrêtés par l'ANR au cachot de Guilmazière, c'est toi qui les avais libérés. Il a dit ça à ses collaborateurs, moi, j'étais mieux. Moi, lui, je ne connaissais pas. Au troisième jour, cette fois-là, c'était au bureau du colonel Makelele et à Gabo. Là-bas, c'est quoi? Nous venons de perquisitionner chez Christian. On a trouvé 12 bombes Castor et des cagoules. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis, mais mon colonel, vous dites bien que vous venez de perquisitionner chez Christian où vous avez trouvé le bombe Castor. Ok, renseignant, je crois que vous avez un peu à vous poser. Permettez, monsieur le président, oui. Si je vous ai donné ce récit, c'est par rapport à la question du président, à votre boss. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous dites que vous êtes à la réunion avec, autour du conseil spécial. Vous êtes à la réunion et après, le conseil spécial se retire avec l'ancien inspecteur général de la police. Et puis, il vous laisse. Mais en partant, il vous appelle, vous dit: ne dites rien de ce que vous connaissez de l'affaire Chebea. Qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Chebea? C'est ça. Dit, d'alors, tout ce qui s'est passé. La cour voudrait savoir qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Chebea. Que le général John, selon vous, a dit, c'est que j'ai noté, ne dites rien de ce que tu connais de cette affaire. Oui. Qu'est-ce que tu connais exactement de cette affaire? Les tenants et les aboutissants. Tu dis à la cour, et nous avons eu déjà les éléments, le 1er juin, à 17h vous étiez, et à 22h vous vous êtes retrouvé avec Christian Kenga et son équipe. Mais non, parce que nous sommes le 2, le général John Numbu vous dit, ça c'est vous, ne dites rien de ce que vous connaissez de cette affaire. Qu'est-ce que vous connaissez de cette affaire? Moi, ce que je connais de cette affaire, c'est ce que tout ce que le major Christian m'a dit. Qu'est-ce que et l'agent dit? Que le général a aussi qu'est-ce dit. Christian vous... m'a dit qu'il a reçu mission du général John Numbi de tuer Chebea. Mais nous sommes le 2. Notamment que vous auriez remis le 2500. Oui. Ça fait partie de cette affaire, non? Oui, c'est... C'est la suite logique de ça. C'est ce que la cour veut savoir de vous. Oui, c'est la suite logique de ce que je connais par rapport à ça. Mais la cour veut avoir cette version de vous. Je l'ai déjà dit, monsieur le président, que Christian m'ayant dit ce qu'il m'a dit, que je puisse intercéder auprès du général, si bien que j'ai dit à Christian de ne pas s'exécuter, il me dit, appelle le général, et qu'il l'appelait aussitôt. Il n'a même pas fini de parler, il me dit, voilà, c'est lui qui est en train de m'appeler. Moi, j'ai appelé le général qui m'a raccroché au nez. Est-ce que le Christian Kenga vous a dit les motifs pourquoi il devait exécuter Chebea? À cet instant-là, je n'avais pas eu cet élément-là. Seulement, je l'ai appris quand je suivis les révélations du major Paul Mwilambwe. C'est là que j'ai compris, c'était à cause de ça. Mais à cet instant-là, je n'avais pas eu le temps de poser la question pourquoi vous voulez les tuer. Je n'avais pas eu le temps de poser cette question, vu l'urgence qui semblait s'imposer par rapport à la pression qu'ils subissaient aussi. Pour moi, l'occasion d'atteindre les généraux rapidement possible avant qu'eux n'exécutent la mission. Donc, je n'ai pas eu le temps de poser autant de questions. Bien, merci, monsieur le président. Renseignant,
À quelle heure précisément vous avez quitté les installations de l'inspection générale? J'ai quitté les installations de crépuscule, c'est-à-dire entre 17h30 et 18h30, quelque chose comme ça. Pas au-delà de 19h? Non, non. Bien, je crois que vous avez peut-être déjà entendu au premier comme au second degré. Mais la question ici, c'est au niveau... Vous aviez répondu par rapport au relevé d'appel. Oui. Tous les relevés d'appel. Mais à l'analyse de ces relevés d'appel-là, on constate que vous étiez en contact avec Tchébéa depuis les 31 mai dans la soirée. Parce qu'il y a eu un contact tel que les relevés l'indiquent entre vous et Tchébéa les 31 mai vers 21h. Il y a également un contact entre vous le 1er juin vers 9, autour de 9h, 9h30. Il y a également un contact entre vous autour de 17h25. Ce dernier contact, c'est un appel qui vient plutôt de Tchébéa. Je vous informe que voilà, il est en route vers l'inspection générale. Vous étiez en contact avec Tchébéa depuis le 31 mai, le 31 au soir et puis le 1er dans la mi-journée et dans l'après-midi. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ces choses d'indication de relevé d'appel? Deuxième degré. Oui. Monsieur Tchébéa m'avait contacté à l'Arobank. À l'Arobank, il m'avait posé deux choses. Le rendez-vous, chaque fois quand il veut rencontrer le général Johnny Numbi, on le compliquait. Là, moi, je ne savais pas que Tchébéa et le général Johnny Numbi s'étaient déjà rencontrés au Palais du Peuple à l'occasion d'une autorité canadienne, quelque chose comme ça. Je l'apprendrai, au procès. Quand il m'a dit cela, et aussi le problème de sa lettre, j'ai transmis le message au général. Le général, comme tout malicieux, je l'ai dit tout à l'heure, il me dit que c'est quelqu'un qui m'avait aidé. Et quand il va m'appeler pour me dire qu'il a signé sa lettre, que je l'aide à lui faire parvenir, quand Michel Mouila a déposé la lettre, Tchébéa a rappelé à Mouila, demande au colonel, est-ce qu'il ne peut pas arracher le rendez-vous avec le général qui a toujours, qui ne s'est jamais tenu. Moi, je vais dire au général John Numbi que votre ami, ce Tchébéa, il a rappelé le rendez-vous qu'il devait avoir avec vous. Il me dit, ok, arrange ça avec le chef de protocole. Au lieu de me dire, dis-lui de venir, mais il me renvoie au chef de protocole. C'est ça qui justifie que je poserai la question au chef de protocole. Parce que les jours qui passaient, le général ne venait pas au bureau. Moi, je lui ai posé la question, est-ce que le général viendra au bureau? Elle dit que oui, il y a même d'autres chefs de service qui ont besoin de lui. Il a dit qu'il va venir au bureau. Moi, j'ai dit, ok, parce que moi aussi, je compte le voir. Et je ne lui ai pas dit que j'ai l'invité du général, que je n'ai pas dit ça. Parce que je me disais que ce sont des gens qui ont l'habitude de compliquer les audiences, que je me suis dit, bon, je vais l'amener auprès de son ami, et ainsi de suite. Et quand il m'a dit ça, arrangé avec le chef de protocole, et que le protocole me dit que le chef va recevoir probablement, c'est comme ça que j'informerai à cette date-là, je crois que c'était le soir, à M. Tchébéa, il est fort possible que le général puisse vous recevoir, mais ça sera dans les après-midi. Là, c'est vous l'informez au contact du 31 au soir? Oui. Je l'informe et c'est possible que le général puisse vous recevoir dans l'après-midi. Et le contact entre vous, le 1er juin vers 9h30. Je continue. Oui, c'est une question parce que c'est par rapport au contact. Oui, oui. Le contact de 9h et le 1er juin. Le lendemain matin, quand j'ai parlé avec Alain m'a donné la réponse selon laquelle il doit traiter les signataires et recevoir des généraux, en fait, ceux qui sont prioritaires. Donc ça ne peut être possible qu'au-delà de 15 heures.
C'est comme ça que moi je vais informer Tchebeya que c'est possible qu'on puisse vous recevoir au-delà de 15 heures, dans les après-midi, mais au-delà de 15 heures. C'est cet appel-là. Maintenant, l'appel de Tchebeya vers moi, c'est lui qui m'appelle pour me dire, parce qu'il avait dépassé l'heure à laquelle il devrait arriver, il voyait le temps passer, il me dit non, je suis bloqué dans un embouteillage. Que moi je lui dirai, parce que là je venais d'apprendre que le général ne viendra même plus au bureau. Je lui dirai que nos ancêtres ne te tracassent même pas, le général n'est pas venu au bureau. Et ça s'est arrêté là, entre moi et lui. Donc, pour vous, vous confirmez que Tchebeya n'était pas arrivé à l'inspection générale. C'est ça. Comme vous l'avez dit au premier ou deuxième degré. Non, au premier degré, je le dis et je me répète, monsieur le président, que si je n'avais pas dit ce que je connaissais, vous avez eu l'explication. Mais quant à savoir, Tchebeya est arrivé au bureau, Christian me l'a dit, je vous l'ai dit ici, en présence de Jacques Mugabo, qu'ils ont mission de tuer Tchebeya. Ces jours-là, qu'ils ont mission de les tuer ces jours-là, le 1er juin. Mais finalement, je ne sais pas si je... Mais c'est une question, vous posez une question. Oui, qu'ils ont, quand j'ai vous déjà dites répondu que, à cette question. Oui, mais vous pouvez répondre encore, il n'y a pas de problème pour la meilleure compréhension. Quand il vous dit qu'il a mission, disons, mais s'il a mission de tuer Tchebeya, c'est pour cette journée-là du 1er juin. C'est le 1er juin. Le 1er juin. Alors, vous, en tant que responsable de la sécurité là-bas, comment vous expliquez c'est l'arrivée de Tchebeya? Parce qu'il était en route vers l'inspection générale. Vous dites que vous l'avez dissuadé vers autour de 17h30. Et non, je ne l'ai pas dit autour de 17h30. Oui, mais parce que les relevés indiquent... Ah oui, quand lui m'a appelé. Oui, quand il vous a appelé vers 17h30, il est en train de venir vers l'inspection. Vous vous dites qu'entre-temps, les mêmes jours, presque aux mêmes heures, vous avez Christian vient vous voir pour dire que voilà, il a mission d'éliminer. C'est bien. Comment vous faites c'est une sorte de hasard, Christian. Tchebeya est en train de venir. Un instant, je termine la question. Tchebeya est en train de venir vers l'inspection générale. Il avait rendez-vous avec l'inspecteur général. Et Christian qui vient vous dire que voilà, il a mission d'éliminer Tchebeya le même jour. C'est cette coïncidence-là. Souvenez-vous ici que je venais de vous dire que Tchebeya devrait mourir bien avant. L'argent était même sorti pour qu'il meure. Donc, faut poser cette question aux gens à qui on a confié la mission de tuer Tchebeya. Nous continuons. L'argent de 2 500 $ que vous êtes allé retirer auprès de la caissière et que vous avez remis dans l'enveloppe à Christian Kenga Kenga, c'est vous qui avez cette enveloppe ou bien vous avez envoyé quelqu'un pour aller retirer ça auprès de Kalao et que Kalao ramène l'enveloppe pour vous donner? Voilà ce qu'il a dit sur ce que vous ne comprenez pas. Quand est-ce que vous avez connu Tchebeya? Je l'ai connu lorsque lui-même Moukalaï a dit à ses hommes de bien encadrer les gens de la VSB qui étaient dans la voiture que Tchebeya avait amenée. C'est par là que je l'ai connu. Première évidence. Je voudrais maintenant arriver là où c'était à quelle heure que les policiers qui étaient allés en mission sont revenus et passés vers vous à la maison. C'était vers 23h. J'ai entendu les gens toquer à la porte. J'ai ouvert la porte et ils m'ont demandé à manger. Après avoir mangé, ils m'ont raconté toute histoire d'assassinat et m'ont dit que le colonel a besoin de moi chez lui à la maison. Je continue. Lorsque vous êtes arrivé chez le colonel Moukalaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé de lui amener l'argent qu'il a confisqué ou gardé chez moi. Et sans tarder, je suis allé prendre cet argent et remettre entre ses mains. C'est le primitif d'audience. Oui, c'est du théâtre ça, c'est du théâtre. Mais pourtant vous étiez là. Oui, ben, j'avais réagi en disant que c'est du n'importe quoi ça.
Moi, je vais faire garder l'argent à Calao, c'est-à-dire quoi ça? Les chauffeurs de mes enfants, ils gardent mon argent, c'est quoi ça? Et puis, il va me donner l'enveloppe à remettre la Christian, c'est quoi ça? Ça n'a même pas de sens. Est-ce que Christian... L'argent, je le reçois du capitaine Rachel et la caissière du général John Enoumbi. Est-ce que Christian Kenga Kenga connaissait-il votre résidence de Rikini où vous lui avez montré pour qu'il vienne retirer l'argent? Connaissait-il ce domicile-là? Christian, c'était sa première fois d'arriver chez moi. Je ne pouvais pas lui demander. Tu connais. Mais comment a-t-il su? Il faut lui poser la question. Ah, il faut qu'on lui pose la question. Comment moi je vais répondre à sa place? Est-ce que... Moi, je peux connaître chez vous sans que vous ne sachiez que je connais chez vous. Ça peut arriver. Entre vous et Kenga Kenga, qui était plus proche du général John Obi? Pour que lui vienne chez vous, pour que vous intercédiez à sa faveur. Ce sont les missions antérieures, non rémunérées, qui ont créé une sorte de mécontentement en eux. Mais lui, il pouvait directement poser la question, parce qu'il était plus... Je pose d'abord la question. Est-ce que entre vous et qui était plus proche du général John Obi? C'est lui. Ah, c'est lui? Oui. Mais pourquoi doit-il passer par vous? Parce qu'il est proche de lui, il peut directement lui poser le problème. Vous savez, lorsque vous êtes en face d'un dilemme ou d'une difficulté, n'est-ce pas? Vous vous posez parfois la question, qui peut trouver la solution à mon problème? Qui peut convaincre telle autorité pour que j'accède à ceci? Ok, la dernière question. Oui. Commissaire Mugabo. Commissaire Mugabo, pourquoi tu es en train de te faire porter le chapeau à Mukalaï? Lui qui n'a rien fait. Pourquoi? Quel intérêt avez-vous à lui faire porter ces chapeaux-là? Dès lors que vous connaissiez, vous avec votre chef, que vous devriez tuer Chebea. C'est ma dernière intervention. Moi, Nazali a tant d'intérêt mon côté, je n'ai aucun intérêt de mentir à ce propos. Quand il y a une famille, commandant Bataillon, Kenga Kenga, Moujou, moi, je suis seulement le commandant Kenga Kenga. Bonjour, oui, c'est lui. J'étais avec lui en bon terme. Yinzimi, la famille, prenez le Christian. Nimutu mwenye kama wanamupa kazi haezi kuya kuomba conseil. Yinzi iko pale. Comme je connais le collègue Christian, si on lui donne un ordre, il ne peut pas venir demander conseil chez le peuple. Et Christian hakonge yake na Chebea. Et Christian n'a pas causé avec Chebea. Mwenye aliita Chebea ni colonel Daniel. C'est le colonel Daniel qui a appelé Chebea. Anamuitisha kubiro. Anamuitisha kubiro ya commissariat général. Oui, il a appelé au bureau du secrétariat général. Na opération yote ilifanyika kubiro ya commissariat général. Toutes les opérations se sont exécutées au bureau du commissariat général. Christian hana na bureau par commissariat général. Christian n'a pas de bureau au commissariat général. Tu te piques à 22h, iko pare iko na fanyizia kazi mure. Jusqu'à 22h, il était là en train de travailler. Il n'a pas de bureau là-bas. Donc, Arikoa na tumika pamoja na colonel Mukalaï. Mwenyewe muita Christian ni colonel Mukalaï. Il travaillait avec le colonel Mukalaï. C'est le colonel Mukalaï qui l'a téléphoné. Tu akuye pare juu ya tufanye kazi ya kuua Chebea. Qu'il soit là pour l'opération de tuer Chebea. Si il refuse de dire la vérité, le colonel Mukalaï, mimi na jua kama ni yeye mimi na confirme sina na intérêt hata kidogo. Ile pesa iko nasema sikuipata. Et je confirme que c'est lui à propos et c'est lui, je n'ai aucun intérêt à lui incriminer cet argent, c'est lui qui a eu cet argent. Et puis ginzi iko nasema mimi ni kwa tirer de lit. Mimi na jua tirer de lit. Tel qu'il dit que moi j'étais le tireur de lit. Chebea hakukue na risasi. Chebea hakukufe na risasi. N'était pas mort à coup de balle. Et mimi najua tireur de rite ni mtu anapiga masasi. Je connais que le tireur de rite c'est celui qui sait tirer. En plus ni kusema kama yeye anasema alikuwa kunikonvaincre njoo niitike niue Chebea.
Et il a dit qu'il est venu me convaincre pour que moi je tue Chebeya. Parce que j'ai réclamé l'argent. Et il m'a donné l'argent ou pour que j'élimine Chebeya. Et qui disent quel montant il m'a donné pour éliminer Chebeya. Et comme il a dit qu'on m'a appelé chez lui pour me convaincre chez lui. Donc je confirme ça, que Mukarai n'a pas la planification de la chronique chrétienne, Kenga Kenga, n'a pas financé l'opération de Chebeya, Kureta Magari. Ok, c'est Mukalai qui était dans la planification pour éliminer Chebeya. Mukalai a donné la logistique Bitu, un peu Bitu. Et puis, on va garder le corps, Gilles, le chauffeur, opération. Et son garde-corps, Gilles, qui était le chef, pas le chef opération. Chauffeur, son chauffeur. Ergile Ilunga. Na Kibumbe Banza Saddam. Et Kibumbe Banza Saddam. C'est lui qui a mené ces deux éléments ensemble avec le garde-corps des Christians. Merci mon collègue. Okay. Peut-on demander au renseignant Mukalai pourquoi cet appel en direction de Ngoy Kenga Kenga aux environs de 21h. Son appel vers Ngoy Kenga Kenga. Et l'auditeur général même en a fait. Pourquoi cet appel? Monsieur le Président, je crois avoir déjà répondu à cette question. Allez-y, réponds. S'il vous plaît, si on peut lire ce que j'ai donné comme réponse. Vous n'avez pas de problème avec les conseils. Je sais que Christian Ngoy Kenga Kenga devrait me contacter pour me localiser. Et la seconde fois, quand il dit que c'est moi qui l'ai appelé, là je ne me rappelle pas l'avoir appelé à ces heures-là. Okay. La seconde fois, c'est lui qui m'a encore appelé pour me dire qu'il est devant la porte. Quelque chose comme ça. Toutefois, dans le procès-verbaux, parce que c'est son téléphone qui appelle Ngoy Kenga Kenga. La cela ne tient. J'ai une autre question. Il a cité heureusement le nom de la secrétaire de Dieu Nombi, auprès de laquelle il a reçu l'enveloppe de 2 500 $. Parce qu'il recevait Ngoy Kenga Kenga et même Chebeya entre 17h et 18h. Les Ngoy Kenga Kenga sont partis en voyage macabre et fatidique de Chebeya et Bazana vers Mitendi là-bas. Quand est-ce que lui, comment ou par quel canal a-t-il reçu les 2 500 $? S'était-il déplacé vers la secrétaire ou c'est Rachel qui est venue vers lui? Et où? Est-ce au bureau? Est-ce à son domicile? J'ai déjà répondu. Je me répète. Je me trouvais au restaurant à Delise où je devrais grignoter quelque chose. C'est de là que Rachel m'a localisé et m'a rejoint et m'a remis cette au restaurant à Delise, à Kimpointe. Okay. Au départ, c'était une somme de 10 000 $ qui provenait de la banque centrale. C'était pour traquer Gomer Martin. Cette question, il est de taille. Il le sait très bien. Monsieur le Président, peut-il nous dire, même quand il dit qu'il a quitté, les installations, c'est pas moi l'air prudent, mais je dis que c'est faux. Qui a donné l'ordre qu'on puisse aller récupérer un des véhicules de la police canine? Et c'était à quelle heure? Si je peux répondre à cette question-là. Oui. Il fallait qu'on ramène les corps, comme les autres ont dit. Il a contraint ses policiers, là, voyez, de ses gardes corps, d'aller chercher une des jeeps de la police de l'unité canine.
Je crois qu'un APP Chap qui était là qui a refusé. Il dit que non, lui n'a pas cet ordre-là. Et lui va donner l'ordre qu'on puisse les bloquer, les maîtriser. On va les maîtriser, on va lui arracher les clés de ces véhicules-là. C'est comme ça qu'il y avait des jeeps. Vous voyez? Est-ce qu'il confirme cette fait-là? Parce que, d'après tous les éléments que nous avons aux audiences, au procès passé, il n'a pas quitté l'IGA à 17h18 comme il a été dit, c'est faux. C'est après qu'on ait fini cette opération-là, quand les autres sont partis, de se rentrer chez nous. Est-ce que il y avait aussi une deuxième Jeep Defenders? Ça appartenait à quelle unité? Bon, comme il parle de la police canine, le Jeep de la police canine restait là au commissariat général de la police. Mais qui aurait ordonné qu'on utilise, qu'on recourt à cette Jeep-là pour transporter le corps des victimes? Monsieur le Président, vous voyez que ce sont les mêmes questions qui m'ont été posées au premier, deuxième degré. Jeep, police, canine, et ainsi de suite. J'avais déjà donné des réponses. Ils n'ont qu'à... Je les renvoie au PV. Ils n'ont qu'à lire tous les PV. Répondez, renseignant. C'est le travail. C'est le travail. Ils continuent encore à porter la tenue de la police avec les gants des colonels. Ça, je ne peux pas l'admettre. Ça, non. Qui rétit ce qui vient de lui tantôt. Il ne peut pas dire qu'il est fatigué. Et nous autres, alors. On a de faire quoi? Du théâtre? Ce n'est pas du théâtre? Qui rétit d'abord son sens. Entrez-le. Je suis un humain, monsieur le président. Je ne suis pas fatigable. Je suis un humain. Allez-y. L'on cherchait la vérité qu'on ne veut pas encore. Qu'elle soit vérité. Mais finalement, on cherche quoi? J'avais l'épée de Damoclès, je l'avais dit. Je ne vous ai pas démontré ce que c'est l'épée de Damoclès qui planait sur ma tête. Allez, au suivant. Nous allons... Moi, des codes, moi, des passes. Caballo. Pour lui, ça signifie quoi? Vous avez un mot de caballo. Vas-y, répondez. Évoluons. C'est l'expression qu'utilisait Christian Goy Kenga Kenga. Quenda caballo, c'est-à-dire mourir. Voilà. Christian lui a envoyé ces messages-là. Alors que nulle part, on n'a jamais retrouvé ces messages-là. Mais les messages qu'on avait trouvés étaient nôtres, dont je venais de parler tantôt. Mais il a dit non, je ne comprends pas le sens, attends que j'arrive au bureau. Donc confirme-t-il qu'après cela, il est rentré au bureau quand Christian lui a envoyé ces messages-là. Peux-tu le confirmer quand même? Parce qu'il est... Je ne suis pas allé au bureau parce que j'ai reçu le message. Encore que moi-même, monsieur le président. Est-ce que vous êtes rentré au bureau? Ce jour-là, je suis allé au bureau. Pas parce que le Christian m'a envoyé le message. Non. Donc, après Sosimat, vous êtes rentré au bureau? Sosimat, je suis allé pendant la pause de midi. Oui. Je suis resté jusqu'à 14h, quelque chose. Je suis rentré au bureau. Ok, d'accord. Ça va. Maître satisfait? Il a déjà été à l'IGE depuis les 14, il était déjà depuis longtemps. Pour preuve, le général Alongabon, qui était parmi les derniers officiels à quitter. Il dit, j'ai quitté l'IG vers 15h. Et quand j'ai quitté, je suis allé au parking récupérer mon véhicule, j'ai vu des policiers en cagoule. C'était vers 15h. Lui, il n'était pas là. Il n'était pas là au bureau à ce moment-là. Ce n'est que quand Christian lui envoie le message, qui dit, non, je ne comprends pas, laisse-moi, j'arrive au bureau. Je vais rentrer. Mais j'ai dit que ce n'était pas le message de Caballo, c'était un autre message. Pour dire que Nicolas Challenger, la petite Jacques Mugabo, tu n'envoies même pas mon tocacouenou. C'est ça le message qu'on a retrouvé dans son téléphone. Ça dit que le mot code challenger, c'était je suis avec Chebea. Donc nous attendons les ordres venant de vous. C'est comme ça qu'il est venu à l'IG. Mais se souvient-il que ce même jour-là, Gomer Martel également était à l'IG. Il est venu pour le voir. Peut-il également le confirmer ou le nier encore? Mon colonel, au premier, au second, même maintenant comme renseignant. Je l'ai dit que j'ai reçu Martel Gomer qui avait 10 000, il m'a proposé 15 000 dollars. C'est avec 10 000, oui, 10 000 dollars cash. 10 000 dollars cash. Okay. Le colonel était dans son bureau. Donc, c'est un couloir, hein, là où se trouvait son bureau. Il faisait les 100 pas parce que dehors il y avait des policiers, il ne pouvait pas aller de l'autre côté. Quand il a vu Chebea monter les escaliers avec Christian. Mais quand on avait posé la question qu'on est Daniel Mukalai, si Gomer était au premier à l'IG, il avait nié.
Voilà la réponse de Gomer. De là où j'étais jusqu'à son bureau, j'ai compté 6 pas. Et lors de la descente, on a également compté les 6 pas, il était devant les deux de Moukalaï. Vous voyez? Pour dire que, comme il a toujours nié, mais Chebet était bel et bien à Liger ce jour-là. Chebet était bien arrivé à Liger. Il ne peut pas les nier, ce sont des évidences. Et donc, il sait, comme le dit Jacques, il est l'un des planificateurs ou le planificateur. Bien que l'ordre venant de John Numbi, mais c'est lui qui est parmi les exécutants. Est-ce qu'il reconnaît que ce jour-là, le matin, qu'il a appelé Ergil Ilunga et Saddam Kibumbe? Est-ce qu'il peut se souvenir de ça? Avec Ergil et Saddam, je ne me rappelle pas les avoir appelés. D'abord, ce sont des soldats à un niveau très bas. Je vais les appeler pourquoi? Et ils traitaient avec le colonel, lieutenant-colonel, feu lieutenant-colonel Mouton Collet de la Demiap. Pas avec moi. Continuez, maître. En général, comme la, les 0,50. Zéloa Katanga Djadija. Quel langue? Français, Lingala? Français. Oui. Lieu et date de naissance. Le 15 novembre. 1967 à Colombie. L'année 2010, vous aviez une concession ou une parcelle à Mité, vers Mitendi. Des concessions. Des parcelles. Parcelles, oui. Ça se situe à quel niveau? À Mitendi. Et sur cette parcelle, les dimensions 20 sur 25 et 20 sur 30. Les deux contigus? Non, séparés. 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 Et à cette époque-là, les deux concessions étaient habitées, vous y avez construit quelque chose? Où est-ce que les gens y habitaient? Oui, il y avait des mises en valeur, des chambres et salons. Dans les deux? Oui. Et qui y habitait? Il y a les gens du quartier qui habitaient. Est-ce que les deux parcelles étaient contiguës ou bien c'était distant? Distant. Est-ce qu'il y avait des militaires qui y habitaient? Non. Dans les deux? Non. Même pas gardé? Non. Non. D'abord, ça se situe exactement à quel niveau? Quand vous allez vers le Congo central, Mitendi, c'est de quel côté? C'est Milenium. Oui. Et à cette époque-là, c'était déjà habité dans les environs ou bien c'était encore C'était déjà habité. Les quartiers étaient déjà habités depuis 2003-2005. Avant même mon arrivée, parce que moi je suis arrivé en 2008 et j'étais mité à Kinshasa, de Lubumbashi Kinshasa en 2008. Et vous avez acquis ces lopins de terre en quelle année? C'était en fin 2008, quand je suis arrivé. Est-ce que vous avez appris que Monsieur Tchebeya et son chauffeur étaient assassinés? Par la voix des ondes. Est-ce que les personnes qui habitaient ces deux parcelles avaient des liens avec vous? Non.
Comment ces personnes sont retrouvées là dans vos parcelles? Viser les travaux qui les avaient mis. Et ils payaient. Ils payaient à cet officier-là? Oui. Et à vous? Oui, à cet officier. Dans les deux parcelles? Oui. Alors, qui vous faisait le rapport de ce qui pouvait éventuellement se passer là, ou les travaux qui se déroulaient là-bas? Qui vous faisait le rapport du déroulement des travaux là-bas? Oui, c'est les chefs pelletons qui étaient en mission de service, puisqu'il y a une position à meeting jusqu'à aujourd'hui. Il y a une position de la police militaire. Et c'est le commandant de la position qui me faisait rapport. Qui? Le lieutenant Castro. Lieutenant Kassongo. Castro. Castro. Castro Matebel. Castro qui? Matebel. Vous connaissez sa situation actuelle? Oui. Où est-ce qu'il est? À Makala. Il est incarcéré? Oui. Est-ce que vous avez eu un rapport selon lequel des personnes s'étaient amenées dans une de vos parcelles là-bas la nuit du 1er au 2 juin 2010? Non. Personne ne vous a rien informé? Non. Même les jours qui avaient suivi, ou les semaines, ou les mois qui avaient suivi? Non. Est-ce que ces deux parcelles, vous les avez jusqu'à présent ou bien vous les avez déjà cédées? Les deux parcelles? Une parcelle, je l'ai. Une parcelle, vous l'avez encore? L'autre, j'ai cédé ça, c'était en 2016-2017. Vous l'avez cédé à qui? Il y a un monsieur que j'ai cédé. Vous avez des documents de cession de cette parcelle-là? Oui. Il y a moyen de les avoir à la prochaine? Oui. Alors, quand est-ce que vous avez appris que Tchébéa, un certain Tchébéa, défenseur des droits de l'homme, et son chauffeur avaient été tués? C'était les premiers. Le 1er juin. À cette époque, vous aviez quelle fonction? J'étais le commandant police militaire. De la ville? Ville province de Kinshasa. Donc vous avez eu l'information à partir de vos services? Non, par la voix des autres. Mais vos services, vous qui êtes, et vous me dites qu'il y avait une position de la police militaire à Mitin de Laval. Le commandant de cette position ne vous avait pas fait rapport qu'il y avait un incident comme celui-là? Au niveau de la position, l'incident ne s'est pas déroulé au niveau de la position? Non, dans le rayon, dans les environs. Non, moi je n'étais pas ici, j'étais à Maluku. Vous étiez à Maluku à ce moment-là? Oui, nous étions à Maluku, on préparait les défilés du 30 juin 2010, le 59. Oui, la question demeure, est-ce que le commandant de cette position, vous étiez commandant de la police militaire de la ville, et le commandant de cette position-là, un incident comme celui-là où il y a eu une personne tuée, une personne, et ça a fait beaucoup de bruit, vous ne l'avez pas demandé à ce commandant-là si il avait des éléments qui pouvaient mettre à votre disposition pour information? Il y a le commandant second qui est resté faire l'intérim, puisque nous sommes partis pour 3 mois. Le commandant second était sur place, il faisait l'intérim de l'Ibata. Et vous n'avez pas de contact avec lui? Vous n'avez pas de contact avec le commandant second? Ce jour-là? Lui qui était resté ici, les événements quand même importants qui se passaient ici, il ne vous faisait pas rapport? Si, par après, on a été informé. On a été informé. Alors, quand est-ce que vous avez su, vous avez été informé qu'il y avait des bruits selon lesquels le chauffeur de Tchébéa aurait été enterré dans une de vos parcelles? Vous l'avez su? Pas dans mes parcelles. Est-ce que vous avez suivi la question de la Cour? La Cour voudrait savoir, à un certain moment, il a été dit que
le chauffeur de Tchébéa aurait été enterré dans une des parcelles du général Djadidja. Est-ce que vous avez été informé de cela? Ça, j'ai suivi par la voix des ondes, c'est en 2021. C'était au mois de février. Oui, vous avez... vers fin mois de février. Et comment, 2021. Comment avez-vous réagi? Je fais une plainte à l'auditorat militaire. Contre qui? Contre les policiers qui ont fait la déclaration par la voix des hommes. En 2021. Est-ce que c'était la première fois que vous ayez dit ça? Parce que Milambo et chaque fois, il revenait là-dessus en disant qu'on aurait enterré là-bas bien avant. C'est en 2021 qu'ils ont fait la déclaration qu'ils ont enterré dans parmi mes dépassés. C'est en 2021, vers fin du mois de février. Doudou. Mon collègue. Yaka. Bon, colonel. Tango Bokomaki, d'après Nengo Pesagi, il y a une explication. Bokomaki na Boutou, na Mité Nikuna. Obi, Bomonaki, na Bokutaki na Nikuna. Togutaki teni a faire des paiements. Na Mité ni na concession ya général Djadidja. Paiement na Nde a visé Bino Dengwa. Bon, mon colonel. Azaï Gaye Moko. Bazaki mi bale moko en tennis civil, Azaï Manjot Minene, Moussousou Azaki. Njotu Mike Anteni. Oui, il va comment na bango? Temo colonel Ezaki Boudou to Zaki pepe mi na bango te. Mon général, vous avez entendu? Oui. Rien, je n'ai pas des éléments dans le passé. Sauf que je connais qu'il y a à Miteni. Il y a un poste de la police militaire. C'est depuis, même avant mon arrivée, jusqu'à aujourd'hui, à Mitendi, il y a des éléments peines qui sont mixtes avec les éléments de la police nationale congolaise. Le lieutenant Castro Matebele, là, dont vous avez parlé, il habitait là-bas? Non, il n'habitait pas, il était en mission de service, il était au poste. C'est lui le commandant poste. Ah, mais c'est lui qui avait mis des gens dans... Et les pièces que vous aviez construites là pour la mise en valeur de vos dépassés. C'est lui que j'avais utilisé pour construire les mises en valeur de mes dépassés. Comme il était à Miteng. Ah, lorsque vous avez appris ici en 2021 que les policiers déclaraient avoir enterré Bazana là-bas. Vous avez demandé les précisions s'il s'agissait de laquelle de vos deux parcelles dont il parlait. Non, moi j'ai fait une plainte et l'auditorat général m'avait interdit d'y aller. Ah, donc vous n'avez plus été là-bas. Accès. Okay. Même mes avocats. Dans votre parcelle. Depuis cette déclaration. Et vous avez construit là-dessus. Après les mises en valeur, vous avez construit. Ou bien c'est toujours sous forme de mise en valeur. Oui, c'est toujours mise en valeur. Est-ce que Jacques Megabo. Yo oza koloba, yo oza koloba ke, nani, yo oza koloba ke, chauffeur ya bazana, ya Tchébéa, bakunda kiye.
Bokunde qui est dans le pangou, il y a général. Nathan Monazaki, colonel, hein? Major. Mais tant que le banding, vous avez besoin de ndenge nini. Vous avez besoin de vous faire un ndenge nini. Vous avez besoin de vous faire un ndenge nini. Comment, quels sont les éléments que vous avez disposé? Christian, vous avez besoin de vous faire un constitution de Djadidja. Donc avant, vous avez besoin de vous l'inspection. Vous avez déjà besoin qu'il n'y ait pas la concession il y a Major Djadida à l'époque. Bon, et mon colonel, va pas qui dit déjà l'itinéraire. Mais tu es pas qui t'aide à conduire qui dit jusqu'à Kuna. Donc, binomo, non, bah, le bosso au Kenai Kuna. Bon, et mon colonel. Bah, la moussou au Kenai Kuna. Négatif. Donc, quand on m'a dit que Bino, Christian Kenga Kenga Nel Baki, toujours Kende, et pas une concession, il y a Major Kenga Kenga, Djadida, c'est ça. Bon, et mon colonel. Nani qui a salobé qui botia et botiga et bembe à Tchébé en Abalabal. Ni colonel Kenga Kenga. Doudou. Mon colonel. Déca. Kakamotou Nawana. Ndengi nini, yo. Bukama, nous avons soutenir que Lupango n'est pas au Kenya Kotika, mais au Kenya Kokunana, les aïe qui Lupango ya Djadida. Nana Epsa Kibino, ou Eba Kiangonengeni. Ezaki, colonel Kenga Kenga, de Abisa, c'est mon colonel. Bien. Nous partions des questions. Ma question s'adresse d'abord au commissaire, au sous-commissaire. Doudou Ilunga. Doudou Ilunga yo lobaki awa que tango to komi to kuti 2 militaires dont l'un était en tenue FARDC avec béret de la police militaire. Moussousou Azalaki en civil. Nakati abatumi balewana, oazaki en tenue militaire, oazaki en tenue civile. Na la FCK que tozali na concession ya général Djadidja. Donc c'est la concession na ya la époque major Djadidja. Wa bisi sa vitoke ne pas na major Djadidja na l'époque. Après tant to komi kuna susu to kuti o ya tenue militaire nde alobi. Ah, ngo nde wa pia bi nde mitende na concession nini ya général na ya major Djadidja à l'époque. Et ça, vous avez tenu militaire de l'Église de mon colonel. Ok. On a dit que vous avez dit yaki ou bien que vous avez dit place vous avez consigne pour que vous avez déjà le boulot, vous avez déjà le boulot, mon colonel. Vous êtes tourné d'apprendre que vous avez eu l'information au mois de février 2021. Parce que les gens qui ont exécuté Fidel Bazana et son patron Tchébéa ont été arrêtés en 2021. C'est suite à leur déclaration que vous avez appris. Peut-être que tout le monde aussi a appris. Donc les policiers ne pouvaient pas dire ça en 2011 parce qu'ils étaient des fugitifs. Donc c'est tout à fait normal que nous tous nous apprenions à partir de février 2021. Mais par rapport à Ndenge Alobi, mon général, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que ce sont quand même des policiers bien formés qui savent identifier un militaire de l'auditorat, un militaire du bataillon PEM et que sais-je encore. Alors, par rapport à Ndenge Alobi, vous continuez à persister que aux bastionnats, les deux, donc il n'y avait pas de militaires. Je l'ai confié. Doudou. Mon colonel. Alors que ils ne sont pour rien. Il y a beaucoup de majors à l'époque qu'on pouvait citer. Mais pour la ligne, Botagi Major Djadidja, est-ce que vous avez eu des consignes pour la salir comme on a eu? Ou bien vous avez vu et que vous êtes en train de dire la vérité parce qu'en tant que renseignant devant la cour?
décrété. Avant tout ça, la Macabango, tout ça qui déjà la colonel Christian Kinga King. Il y a des bandeaux pressés sur les itinéraires et tout. Bon, qu'il y a des bouts, tant que tu commis Kuna, mon colonel, tu commis dans le pangou, tu coûtes déjà le boulot. Et lui, le banni, après agent Anthony, dans le pangou, tu es le banni, mon colonel. Ma camion, c'est déjà en cours. Nous avons déjà un accord et un chauffeur. Nous avons déjà un accord et un chauffeur. Nous avons sur place, Anthony, Pem. Nous avons déjà civil. Et nous avons déjà un conseil de la Miquette. Nous avons déjà un accord et un colonel. Ok. Où vous vous êtes connus avant le 1er juin avec le major ou le conseil supérieur adjoint Christian Kenga Kenga? On Simba. Et moi, en tant que commandant bâton police militaire ville province de Kinshasa, je le connais comme commandant bâton Simba. Avant le premier ou après le premier? Avant le premier. Puisque d'habitude, moi, en tant que commandant police militaire, je dois connaître quand même quelques commandants d'unité dans la ville. Même district Kufuna, je connais tout le monde. Est-ce que mon général, ça ne vous dit rien que ces militaires ici puisse être briefé par le major Kenga Kenga de quitter l'inspection générale, actuellement commissariat général, jusqu'à Mitendi dans vos parcelles, parce que vous dites que vous n'avez pas de concession. C'est quelque chose d'hasard, ou bien, je ne comprends pas, c'est quelque chose d'hasard, ou bien ça a été préparé, que vous connaissez, que vous ne voulez pas dire la vérité devant la cour. C'est ma dernière intervention. Monsieur le Président, c'est à elle de citer les noms des éléments en question, le PEM, si c'est vrai ou faux. Parce que moi, je confirme qu'il n'y a jamais, même dans les quartiers, même, vous pouvez vous renseigner auprès de mes voisins qui sont là-bas, il n'y a jamais eu de militaires dans mes parcelles, sauf à Mitendi, où il y a le poste de la police militaire mixte avec les éléments de la police nationale. 10, l'unité que vous dirigez, c'est-à-dire le bataillon PEM, n'avait pas fait partie de la commission tolérance zéro qui avait été créée dans la ville de Kinshasa. Donc les éléments du bataillon PEM ne sont jamais intervenus dans l'exécution de cette commission appelée tolérance zéro. Tolérance zéro, non. Le bataillon PEM a pris la police nationale congolaise sur réquisition. Et c'est la 14e région militaire qui donne des instructions au bataillon PEM. La réquisition vient à la région militaire et la région militaire donne des instructions à la police militaire. Dans l'opération tolérance zéro, on n'a jamais participé dans cette opération. De la commission mixte. La commission mixte était composée de l'ANR, GER, des MIAP et la région militaire, représentée par le général Fall, à l'époque colonel. Et avec un magistrat pour les actes de procédure de l'auditorat général. Et le bataillon PEM ne faisait pas partie de cette commission? Non, le bataillon PEM, quand il y a par exemple une mission spéciale dans le cadre de mouvements insurrectionnels, par exemple, c'est là qu'on réquisitionnait le bataillon PEM en appui à la police pour neutraliser, par exemple, le cas de mouvements insurrectionnels, par exemple. Ok, d'accord, ça va, merci. La question est de savoir, est-ce que le bataillon PEM a eu à intervenir dans la mission dite de rétablissement de l'ordre qui s'était avérée en réalité celle de la répression du mouvement ou de la secte Bundu Dia Congo dans l'actuel Congo central? Non. Les renseignants nous disent qu'il n'y avait aucun élément PEM sur ces deux parcelles. Peut-il se souvenir d'un certain Banza, je pense que ça doit être Agida Banza, qui gardait cette concession-là, sa parcelle. Peut-il se souvenir de lui?
je confirme qu'il n'y a jamais eu un adjudant Banza à la police militaire. Et il n'y a jamais eu dans mes deux parcelles un élément effardécé. Je n'ai jamais mis le militaire dans cette concession-là. Je répète encore que c'est à Mitengi, c'est à la position de Mitengi qu'on avait mis les éléments PEM. Et ils étaient mixtes avec les éléments de la police nationale congolaise. Vous pouvez vérifier. Même jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. À moins que ma mémoire ne me trahisse, c'est Banzala venait de mourir il n'y a pas longtemps. Et si je ne m'appuie, son corps se trouvera encore à la mort. Au niveau du camp Kokolo. Donc c'est quelqu'un qui habitait dans cette parcelle. Et c'est sûr que c'est lui qui creusait chaque fois qu'on devait ramener un cadavre. Parce que comment est-ce que le général peut-il concevoir, comme a dit le renseignant Doudou et le prévenu Jacques Mugabo, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un trou déjà fait. Qui est celui-là qui avait creusé ce trou-là? Vous posez la question au général, parce que c'est lui le propriétaire de la concession. Mais il dit qu'il connaît. Prenez-les quand même et dire que, je pense, je ne vais pas rechercher, et dire que dans cette parcelle, il y avait ces Banzala, qui est un élément PEM. On a eu même à faire des recherches sur lui, son nom lié, dans le bataillon PEM, qui dirigeait à l'époque Major Jadidja. Et c'est lui qui gardait cette parcelle-là. Et, comme on l'a dit ici, et c'est lui également qui était chargé, chaque fois qu'on devait ramener un corps, de creuser le trou. Monsieur le Président, votre honneur honorement de la composition, même dans sa toilette de la maison, avant qu'une tierce personne n'entre, on connaît, on sait identifier la personne. Mais cependant, le général qui comparaît devant vous met en cause tout ce qu'on a dit par d'autres renseignants à sa personne. Nous allons en tirer de conséquences. Monsieur le Président, une question aux renseignants. Avant le 1er ou dans le temps voisin du 1er juin, peut-il nous dire s'il a eu des appels téléphoniques avec Christian Kenga Kenga? Vous pouvez vérifier. Peut-il nous donner les numéros utilisés pendant ce temps? 081. Calmez-vous. Maître Boulay. 081. 999-40-40. Rationnel jusqu'à ce jour? Oui. Merci. Cimetière pour recevoir des dépouilles et victimes. Quelle a été d'abord sa réaction? Et... Mais la presse citait quand même son nom. Est-ce que ça ne l'avait pas dans quelques mesures chiffonné, interpellé un peu, en tant qu'humain, hein, même s'il est militaire, mais il est homme comme nous tous ici, il peut se sentir un peu visé, la conscience troublée, ça ne lui a jamais rien dit. Monsieur le Président, je suis en train d'insister, que je n'étais pas content. Néanmoins, je vais dire la vérité. En 2010, on n'avait pas cité que on avait enterré dans ma passée. C'est en 2021, puisque le procès, c'était de 2010 à 2015, si je ne me trompe pas. J'étais présent à Kinshasa et j'étais encore major. Et par après, en 2013, que je suis passé lieutenant-colonel. En 2010, on n'avait pas dit qu'on avait enterré dans ma passée. C'est en 2021. À la fin du mois de février, que les deux policiers ont fait des déclarations, pas en 2010. La République, comme vous allez le constater, depuis le début, n'a pas beaucoup de questions à faire poser. Pourquoi? Parce que elle intervient comme civilement responsable, qui aura à répondre en cas d'une éventuelle condamnation des prévenus. Néanmoins, votre honneur, nous aimerions être éclairés par rapport
à la comparution du général Zelwa Katanga Djadidja, qui a déclaré tout à l'heure devant votre haute cour, disant ne pas entretenir une relation, je parle à l'époque, qui n'avait pas une relation particulière avec le major Christian Kenga Kenga, qu'il connaissait par ailleurs comme étant le commandant de la brigade du bataillon Simba. La question de la République consiste à savoir, depuis l'assassinat de Feu Tshebeya et de son chauffeur, est-ce que le renseignant peut-il dire à votre cour s'il a eu à s'entretenir d'une manière ou d'une autre avec Christian Kenga Kenga? Non. Quand il y a eu l'assassinat en 2010, c'était au mois de juin, au début. Moi, j'étais à Maluku. L'entretien, vous pouvez vérifier, non. Je ne connais rien. En dehors du général, du colonel Christian Kenga Kenga, est-ce qu'il a eu des contacts, sinon de relations avec quelques responsables du bataillon Simba, en dehors bien sûr de Christian Kenga Kenga? J'aimerais savoir si... Non. Merci. Oui, mon général, je crois que nous avons été suffisamment renseignés. Nous avons été suffisamment renseignés. Et nous poursuivons l'instruction de cette cause le mercredi prochain, c'est-à-dire le 27. Qui aura à répondre en cas d'une éventuelle condamnation des prévenus. Néanmoins, votre honneur, nous aimerions être éclairés par rapport à la comparution du général Zelwa Katanga Djadidja, qui a déclaré tout à l'heure devant votre haute cour, disant ne pas entretenir une relation, je parle à l'époque, qui n'avait pas une relation particulière avec le major Christian Kenga Kenga, qu'il connaissait par ailleurs comme étant le commandant de la brigade du bataillon Simba. La question de la République consiste à savoir, depuis l'assassinat de Feu Tshebeya et de son chauffeur, est-ce que le renseignant peut-il dire à votre cour s'il a eu à s'entretenir d'une manière ou d'une autre avec Christian Kenga Kenga? Non. Quand il y a eu l'assassinat en 2010, c'était au mois de juin, au début. Moi, j'étais à Maluku. L'entretien, vous pouvez vérifier, non, je ne connais rien. En dehors du général, du colonel Christian Kenga Kenga, est-ce qu'il a eu des contacts, sinon de relations avec quelques responsables du bataillon Simba, en dehors bien sûr de Christian Kenga Kenga? Non. Merci, Monsieur le Président. Oui, mon général, je crois que nous avons été suffisamment renseignés.
nous avons été suffisamment renseignés. Et nous poursuivons l'instruction de cette cause le mercredi prochain, c'est-à-dire le 27. Darwezi, qui, au moins lui... Mon colonel, autant se lever. Zote, mon colonel. Oh, bien. Hup. Mission TV, le miroir du monde.